Claro que si. Et aujourd'hui, des morts et des avions. Alors, juste rappelle-moi, l'avion... Alors, je... alors, si le 18, c'est un avion qui se crache à l'axe, hein, va te faire foutre. Hein. Mais alors, violent. Hein. Il se démerde. Non, c'est un... Alors, t'inquiète pas, je vais en chercher. Donc, je rappelle ce qui s'est passé à la fin, la dernière fois. Vous étiez en route pour l'axe. L'axe était en quoi, un petit kilomètre. Vous êtes entre les pattes dans la zone qui est appelée l'axe, c'est-à-dire toute la zone habitable. Et sur le sur la route parallèle à vous, vous voyez en fait descendre un avion de tourisme, mais avec un angle à peu près de 45 degrés, qui s'écrase sur la route bah, parallèle à vous en fait. Donc de l'autre côté d'un bloc. Donc on est bien d'accord, c'est plus un type Cessna qu'un 747. Alors, je n'y connais absolument rien en avion, mais je pars du principe du non, du alors un Cessna, tu mets le Cessna à 4 places. Dedans, hein. Voilà, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, clairement. Le Boeing 747, t'en mets à peu près 400 plutôt. Ah, c'est un Cessna peut-être... d'accord. Cessna, oui. Non, Cessna. Exactement. C'est, je vais prendre une petite photo, hop, enregistrer, et je vais la mettre sur Steam. Comme ça va le faire bien, ça va le faire. Hop! Ou du temps des choses quand même. Ouvrir image. Ah oui, c'est vrai qu'on peut maintenant on peut mettre le camp en ligne. Tu peux drag dropper aussi. Ouais. Oui. Mais alors, voilà. pas depuis Firefox. Voilà, hein, exactement ce genre d'avion. Ça va? Oui. Oui, c'est ça. C'est, oui, grosso modo, c'est un Cessna. Voilà. Ok, bon. Tous ceux qui ont joué à Microsoft Flight Simulator savent ce que c'est qu'un Cessna. Bah c'est ça, au lieu d'acheter Plateforme Pétrolière Simulator, tu ferais mieux d'acheter Flight Simulator, monsieur Chrome. Hein. Je l'achète pas pour moi. Hein. Ah, ça c'est, par contre, ce sont des jeux pour moi, hein, Flight Simulator. Non. Et puis de toute façon, il y a un de ces quatre, je vais vous offrir Transport Auto Remorque à Simulator, vous allez vous demander la nouvelle. On peut en venir sur COPS. Ouais. Donc... Bon. Donc, bah, est-ce que quelqu'un, soit Monsieur Tlon ou Monsieur Obi, veut jouer le personnage de qui accompagne Wedge, c'est-à-dire le personnage de Cib, à savoir Rick, le temps qu'il revienne. Ça dépend, on a le droit de faire ce qu'on veut avec son personnage. Bah, essayer de être raccord avec quand même un peu son personnage, quand même. Alors, il prend son gun, il se suicide. Non, c'est pas raccord. Merde. Bon, alors déjà on vit Roby. Oh. C'est fait. Bon, allez, je vais faire Rick. Il ressemble à quoi Rick déjà? Rick. C'est un chasseur. Oh, putain, oh, putain. Oh, elle fait mal. Hein. Oh, ça l'a fait mal. Hein. Alors, police de la blague de mauvais goût. Monsieur Obi, vous avez été pris en flagrant délit de blague de mauvais goût en pleine partie de Cops. De Cops, en plus. Alors, bah, c'est simple. Déjà, il va bien falloir que, un, on signale le truc. Donc, on va appeler les anges en signalant un code... 18. Ouais, par exemple. 18 et un Cessna s'est écrasé... On se met tout de suite en route. Je mets par contre, pour les anges, je veux dire un avion de tourisme. Hein, c'est mieux. Oui, mais moi, je sais c'est quoi un Cessna. Ouais, mais les anges, pas forcément.
Mais par contre, tu dis qu'on on va sur place, déjà. On va sur place. Donc vous amenez des pompiers, vous amenez une ambulance, voire plusieurs. Et l'adresse, je suppose. Hein. Le lieu, bah, surtout. Oui. Hein, Ouais. Et puis j'y vais, tambour battant. Hein, c'est... Oui, bah, de toute façon, bah, lâche ton c'est tambour un, c'est et conduis. Un bloc, hein, ça va, ça va aller. Hein, ça va, mais même. J'y vais à fond, quoi. Pourquoi la tombeau ouvert? Sachant qu'on a toutes les chances de crever s'il conduit mal, ça me fait un peu peur. Moi, conduire mal? Donc, vous arrivez au niveau de l'avion. L'avion s'est écrasé sur le sol, sur à peu près, allez, 10-15 mètres. Et a priori, il a écrasé quelqu'un qui poussait une poussette. La poussette continue à avancer dans la rue. Alors ça, c'est pas de bol. C'est aussi pas banal, quand même. Se faire tuer par un avion qui lui tombe sur le coin de la gueule alors qu'il poussait une poussette. Alors, attends. Dans ce cas-là, tu regardes pas Urgence à... la série Urgence, à un moment, t'as un toubib qui se fait écraser par un hélicoptère, hein, tu vois. Ah, il se fait couper le bras d'abord dans un épisode, et voilà. Ensuite, il se fait écraser. Le mec a la malchance des hélicoptères, quand même. C'est ça. Bon, et donc, alors, déjà, est-ce qu'on repère des blessés? Alors, ou est-ce qu'il y a vraiment des morceaux? À part la des purée, la purée au sol, non, pas d'autres baissés, à part des gens qui sont très, très étonnés. D'accord. Tu m'étonnes. Est-ce qu'il y a un incendie? Oui, il brûle. Donc, je bloque la rue avec la bagnole. Ensuite, je descends très rapidement et puis je cours après la poussette. Quoi? Tu descends en passant? Non. qu'est-ce qu'il fait, Rick? Alors, Rick, il va aussi aller de l'autre côté de la rue, donc il va essayer de contourner l'avion, parce qu'une rue, généralement, c'est à nous, sinon ça s'appelle une impasse. Et même chose, il va faire reculer les passants en disant que c'est dangereux et que ça peut péter. Un petit jet sang-froid, intimidation, persuasion, enfin, persuasion pour persuasion, parce que j'ai pas envie de les intimider non plus. Alors, sang-froid, c'est à 3, donc 3, et et quoi, c'était... ça va être éloquence pour lui, donc ça sera 6. C'est 6. Ah, l'enfoiré, il y a des bons jets. Et je t'annonce un succès. Ok, ça me va, de toute façon... Même, pareil, côté... pour le coup, tu le rattrapes automatiquement, ça va pas assez vite pour que t'aies un jeu à faire. T'attrapes la poussette, il y a un petit bébé dedans qui pleure. Ouais, c'est bon, t'inquiète pas, tout va bien. Je fais venir aller la poussette. Et puis alors, je fais... selon la nouvelle loi de la République de Californie, si tu trouves un bébé esselé et que ses parents viennent de mourir, c'est toi qui deviens le père adoptif direct. Non, t'inquiète pas, c'est qui l'a reculé. Non, mais voilà, c'est donc... bon. J'ai tous les deux jets de perception, sens de flic, instinct de flic, je veux dire. Alors, c'est quoi les caractéristiques perception Alors, pour lui, c'est 2 et 9. Ah ouais, carrément. bizarrement, j'ai obtenu aucun succès. J'attends au moins une réussite. Lave-la. Ok. Au bout de la rue, tu remarques un véhicule, un van blanc qui fait en fait un demi-tour au frein à main et il est équipé avec des espèces de grosses antennes paraboliques. Ok, d'accord, je remonte dans la bagnole, je fais au premier passant, occupez-vous de la poussette. Le premier passant. Vous êtes responsable de ce bébé. Vous êtes responsable de ce bébé. Vous avez dit qu'il fallait que je m'éloigne. Eh ben, tu ramènes tes fesses ici et plus vite que ça. Ok, et tu fonces dans la voiture, c'est ça? Je fonce dans la bagnole et pour toi, Rick, je fonce. Il y a un véhicule suspect. Et c'est bon, pas le moment d'aller faire ses courses. What? Bon, grosso modo, tu me laisses me déberder tout seul. Il n'y a pas de souci, je gère. Bon, justement, avant de commencer la petite, je veux savoir ce que Rick fait. Et puis après, je gère la poursuite. Et puis après, on passe aux autres joueurs. Bah, Rick, il va essayer justement d'éloigner un maximum de personnes. Si jamais il y a des bagnoles qui sont tout proches de l'avion qui flambe, il va carrément péter une vitre pour essayer de desserrer le phare à main et les bouger, parce que sinon, elles vont péter aussi. Enfin bref, il va faire tout ça, quoi.
Ok. Vu que t'as déjà réussi ton jet, je vais pas te le refaire faire. Dans tous les cas, ouais. Pas de soucis, en gros. Par contre, je pense que Rick peut faire un jet pour péter les vitres, hein, parce que je suis pas sûr qu'il en soit capable. Hein. Oh putain, enfoiré. Non. Avec la crosse de son flingue, si, facilement. Plus simple, hein, t'as un tonfa. Mais c'est moins risqué. Hein. Ah, non. Le coup pourrait partir tout seul. Dans tous les cas, je considère que bah, tu gères la scène jusqu'à l'arrivée des pompiers et de et des ambulances. Des ambulances. Ok, je passe aux autres, après je fais la poursuite, parce que la poursuite risque d'être un peu longue. Ouais. Enfin, ça dépend en fait. Donc je vais d'abord faire l'autre groupe avant de faire la poursuite, si ça te va. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc... Les autres. Guillermo et... Et Lynn. Du coup, alors... La question c'est, est-ce que nous on en... Je pars du principe que, comment ça s'appelle, le personnage de Danny est consigné à faire du rapport, pour, tant qu'il n'est pas de revenu. Tant qu'il n'y a pas de collection, tant qu'il est... Donc il vous sert aussi, si vous avez besoin de faire la liaison avec le substitut du proc, vu qu'il reste bah, au civil. Alors la question c'est que... C'est que nous, à la dernière fois, on en était où, nous, parce que, de mémoire, on était au COPS, non? Ouais, normalement, vous étiez au COPS, de mémoire. On était au COPS et on... On finissait notre tournée, hein. Enfin, notre car, quoi. Normalement, ouais, vous étiez quasiment à la fin du car, et jusque-là... La question, c'est, est-ce qu'on est au courant ou pas que... Denis et Eric ont été emmêlés dans l'histoire de l'avion ou pas? Alors là, pour le coup, c'est vous qui voyez si vous êtes mis en resté en contact radio malgré que vous soyez au COPS avec eux. C'est, pour le coup, c'est à vous de choisir. Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Moi, ça va, hein, si vous dites oui. Et du coup, si on entend ça, clairement, moi je veux aller à l'axe quoi. Il n'y a pas de. En attendant qu'il gère ça? Ouais, bah ouais, parce que je me dis que c'est trop urgent, il faut qu'on y aille quand même et qu'on peut pas trop se permettre de perdre 2-3 heures à y aller quoi. Tu veux que je conduise? Ouais. Et tu veux y aller rapidement ou pas? Bah, de préférence, oui. Mais c'est pas une urgence donc t'as pas à remettre la sirène, hein. C'est ça ta question. Si, j'ai dit 10-18, hein, urgence. Non, mais pas toi. Eux ils vont à l'axe pour faire la. Pas pour l'urgence, hein. Bah, y a pas urgence, enfin, y a quand même la vie d'un homme derrière, quoi, donc bon. Donc, oui, je dirais, on y va, et puis on va aller prévenir qu'on l'a fait, enfin, qu'on y va aussi. Et s'ils ont fini avant, bah tant mieux, s'ils ont fini après, bah ils auront pas besoin d'aller, et puis voilà. Ok. Oh. Ok. Donc, vous rendez sur place et je passe à la poursuite. Vu que ça se fait en parallèle. Donc, j'ai dit à la radio à Rick que je poursuis un véhicule suspect. Du coup, ça passe aussi de l'information sur les anges et puis je dis toutes les rues, machin et compagnie. Attends. On va pas s'emmerder. On va faire la poursuite d'abord. Tu t'auras peut-être pas le temps de regarder les rues, sinon tu vas me prendre un dénoir dès le début, tu vois. Mais là, je peux dire telle rue, direction machin, quoi, de base. Ah, oui. Ensuite, suivez le point GPS du véhicule. Il y en a un. Alors, c'est ça. Donc, la différence, ouais, c'est intermédiaire. Donc, j'ai un dé de plus. Tu commences à 4, il commence à 5. Ouais, d'accord. T'as clairement plus de meilleure conduite que tu annonces le nombre de réussites. 2. Ouais. Ok. Eux 3. Ok. Donc ils sont plusieurs déjà, hein. Non mais ça va. Ils ont jamais. Moi je pense que t'es en train de poursuivre des journalistes, mais c'est pas grave, hein. Mais. Non, c'est je pense. Pas forcément, sinon ça serait marqué en fait. Je l'aurais remarqué sur le. Comment sur le. Sur allez, le vas-y, fais ton jet. Parce que moi je l'ai fait. Hein. Et moi j'ai les trois. Hein. BIM! Voilà.
Bah, t'as 3 aussi. Donc, les deux jets sont réussis. Si le poursuivant a choisi plus de réussite que le poursuivi, perd un dé. Si le poursuivi a choisi plus de réussite que le poursuivant. Donc, en gros, c'est moi qui ai choisi le plus de réussite. J'ai demandé 3, toi 2. Oui. Donc, tu perds un dé. Merde. Sauf si tu décides de le transformer en dé noir. Donc, de prendre des risques. Bon, vas-y, on va prendre un risque. Hein. Alors, après. Prends un dé noir. Tu peux noter la plaque et demander aux patrouilles de le choper. Ah, Bah, c'est ce que. Ouais, j'essaie de noter la plaque aussi, hein, de toute façon, en même temps. Enfin, je la vois, je la lis en faisant attention. A priori, si tu te crashes dans un magasin, ta radio fonctionnera encore, donc tu pourras le dire après. Bon, il y a peu de chances que ça arrive. Deuxième tour, donc c'est moi qui ai gagné, donc j'annonce deux réussites, moi. Bah, j'ai droit de dégaliser. +1 ou +1. -1 ou +1. Ouais. Ça m'arrange pas si t'as pas droit de dire 2 aussi. Ouais. Bah, dis 3, de toute façon. Une différence égale à son adversaire en variant de plus ou moins 1. Je veux dire qu'une différence égale à son adversaire ou. Ah non, tu peux prendre la même difficulté. Ah bon, 2 alors. Je prends la même difficulté. Bon. Ouais. Hein. Attends, je fais déjà les 3 blancs et le. Ouais, ok. Fais les 3 blancs et. Bon, okay. Et. Oh merde, le noir! Bon, alors déjà, on va juste résoudre la poursuite. Donc, c'est eux qui vont perdre un dé. Ouais. Attends, non, si seulement, donc c'est. Tac. Celui qui a raté son jet perd automatiquement. Seul l'un des deux protagonistes son jet. Celui qui a raté son jet perd automatiquement un nombre d'égal au dé à sa marge d'échec plus 1. Donc en gros, il a fait une marge d'échec de 1, donc il perd 2 dés. Donc ouais. Il en reste plus que 2. Ils vont pas prendre de risque. Hein. Ok. Tu me lances un D6, s'il te plaît. Alors, tac. Donc, dans la poursuite, tu heurtes un gros pot de fleurs que la mairie avait posé là. Enfin, tu me fais un jet de conduite réflexe pour essayer de voir si t'arrives à garder le contrôle. À garder le contrôle, ouais. Je crois que oui. De la difficulté de 2. Donc, j'ai réussi, pas d'effet, la poursuite continue. Bon, voilà. Ok. Donc, c'est toi qui choisis le nombre de réussites. Ils ont plus que 2 dés, ouais. Vas-y, mets-leur la pression. Ils ont perdu 2 dés, c'est ça? Donc ils sont encore 3 dés, parce qu'ils sont partis à 5 dés. Ah oui, c'est ça. Mais pardon. Donc 2, bah pareil. C'est vrai qu'ils sont partis à 5. C'est bon. Je prends le dé de risque. Ah, t'as pas le choix, hein? Ah, j'ai pas le choix? Ah, dès que t'as pris un dé noir, c'est pour tout le temps. Merde. Tu peux pas le perdre, hein, ton dé noir. Ah, c'est... Bah si, tu peux arrêter la poursuite, quoi. Voilà, c'est ça. Tu peux freiner. Bon, ça va. Non, ça marche non, pas. Non, c'est pas ça. Ça ne marche pas. Pardon. Ça a pas eu des noirs. Ok, et ça passe demain, donc t'as une réussite de plus. Donc, les protagonistes ont autant de réussite et leur nombre de dés de réussite n'est pas modifié. On choisit autant de réussites, c'était le cas, et leur nombre de dés de poursuite n'est pas modifié. Ouais, à partir du moment où on a choisi le même nombre de dés de poursuite, et si on réussit tous les deux, ça ne bouge pas. Donc ça continue sur le même état. Attends, j'ai pas compris, ça veut dire que moi en fait j'ai à pas Californie. De dés noirs. Non, c'est pas ça. C'est, t'as choisi de faire deux réussites. Ah d'accord. Oui, eux aussi. Ouais, si d'accord. On réussit, les deux réussissent en fait, bah la poursuite reste dans le même état. D'accord, ok, c'est bon. Et t'as fait ton dé noir ou t'as fait une réussite. Donc t'as 3 réussites, mais pour 2 demandés. C'est toujours toi qui choisis combien de réussites. Toujours 2. Ok. Une. Non. Vas-y, relance. Moi, hop. T'as intérêt sur le suivant. Non. Yeah.
Yes. Ok, donc il perd, donc eux ils ont réussi leur jet aussi, mais ils perdent un dé, donc il leur reste plus que deux dés. Allez, on relance. Hop. Bah je les rattrape quoi. Toujours une, si tu mets toujours deux. Oui, je mets toujours deux. Bon. C'est chaud. Ok, je considère que vu l'état de la poursuite, tu les rattrapes. D'accord. Tu les interceptes. Vu que t'arrêtes pas de reprendre de la main sur eux, je continue pas, je pars du principe que c'est bon. Il leur reste plus qu'un seul, que 2 dés, c'est bon. La poursuite s'arrête. Tu as arrêté un van de comment s'appelle Coltech. Ouais. Comment s'appelle c'est la fac de Pasadena sur la comment s'appelle de haute technologie. D'accord. Et donc... au volant t'as des ados. D'accord. Et ils ont des ados. Sur pas l'Africaneur. Mais oui monsieur l'agent. On a rien fait de mal monsieur l'agent. Alors pourquoi vous fuyez un lieu de de crash? Il y avait, un avion crashé, donc on s'est dit qu'il fallait faire demi-tour. Oui. C'est ça, ouais. On s'est dit qu'il fallait faire demi-tour. Pourquoi quatrième vitesse? Parce que ça fait peur. Ah oui, c'est ça, ça fait peur, monsieur l'agent. Arrêtez de raconter des bobards. Qu'est-ce que vous avez dans votre camionnette? Du matériel de l'université. Et à quoi consiste ce matériel d'université? Ah, c'est une chose compliquée, monsieur l'agent. Essayez toujours d'expliquer, je peux toujours essayer de comprendre. Non, mais ça risque d'être long. J'ai tout mon temps. Oui, mais ils ont pas envie, hein, pour le coup. Eh ben, moi, si, j'ai envie, là. on peut y aller, monsieur l'agent? On n'a rien fait de mal, monsieur l'agent. Non, vous ne pouvez pas y aller. Bah non, inspecte la bagnole. C'est ça, oui, mais je peux pas, en fait. C'est une propriété privée. Même s'ils ont fait une tentative de fuite, logiquement, la procédure fait qu'il me faut un mandat pour fouiller le véhicule. Eh ben, demande les papiers. Pas certain. Tu peux toujours baratiner aussi et dire vous pouvez ouvrir le coffre, tu sais. Ouais, c'est ça, t'as le droit. Ouais. Hein. S'il l'ouvre de même, t'as pas besoin de mandat. Hein. Bon. La question est que je suppose que tu soupçonnes qu'ils ont trafiqué brouillé l'avion et que l'avion s'est crashé de ça. C'est ça. C'est une cause assez probable pour moi pour ouvrir la bagnole. Hein. Oui. Et regarder si l'équipement permet de le faire. Si l'équipement permet de le faire, là, voilà, ça on monte d'un étage. Mais voilà. Après, de toute façon, tu pourras rien prouver tant qu'on n'aura pas l'aviation civile qui te dira que oui. L'appareil est parti en sucette parce que il y avait un brouilleur qui lui a dit d'aller se faire foutre quoi. Ouais. Mais du coup donc, tu peux noter les longs dégâts. Ouais. Alors ouvrez le coffre s'il vous plaît. Vous êtes sûr monsieur l'agent? Ouais. C'est du matériel fragile hein. Je ne toucherai à rien, je ne ferai que regarder. Donc ils ouvrent le coffre. À l'intérieur, t'as deux postes en fait. Ça ressemble en fait à beaucoup à des espèces de simulateurs de pilotage. Il y a des joysticks, il y a des caméras, enfin des télé, des écrans plats, etc. Et tout est allumé. Hein. Sauf que tous les écrans sont grillés. Enfin, grillés dans le sens, c'est de la neige. Ouais, c'est de la neige. Ouais. Ah, c'est un drone. Piloter un drone et le drone a percuté l'avion. Ben oui. Vous m'expliquez pourquoi vous vous amusez avec des joysticks dans une camionnette? C'est notre projet de fin d'études. La vérité, tout de suite. Pour le coup, c'est leur projet de fin d'études. Bien. Et qu'est-ce que vous pilotez pour votre projet de fin d'études? Vous allez pas me le faire à moi? Un avion? Un avion qui se serait écrasé? Il y a une avarité, monsieur l'agent. Bien. Bien. Vous avez avoué? De quoi, monsieur l'agent? Vous êtes enregistré. Il y a eu une avarité technique. Oui, il y a eu une avarie technique, un mauvais vent, l'avion est tombé, voilà. Bien. Mais c'est pas grave.
Sauf pour la mère de famille qui s'est fait écraser par votre avion qui s'est écrasé. Alors là tu les vois, ils blanchissent genre what the fuck. De quoi? Quelle mère de famille? Je comprends pas. Ah, je vous expliquerai. Sur ce, vous êtes en état d'arrestation pour homicide involontaire. Vous avez le droit de garder le silence, blablabla, la routine habituelle. Ok. Et je leur place, et je leur passe les bracelets. Enfin, les, oui, les... J'en ai qu'une paire de menottes. Hein. Non, t'as une seule paire de menottes en métal, mais t'as des menottes en plastique. Hein. C'est ça, donc je fais menottes en plastique pour tous, et puis je les embarque dans le véhicule. Ok. Ah, ouais. Les anges, ouais. J'ai un véhicule à faire enlever. Ouais. Alors, je pense que la procédure, c'est un suspect par voiture. Mais là, il y en a trop. Ouais, mais ils sont combien? Ils sont 2, 3? Bah, de toute façon, il les met et je pense qu'il les ramène là où il y a eu le crash. Hein, et après, il... C'est ça, hein, donc. Bah, oui, mais la procédure voudrait qu'on les embarque et qu'on les ramène pas sur le crash, je pense. Hein. Parce que, dans un, les mettre. Tu demandes des renforts pour récupérer tout le monde. Hein. Oui, au pire, je pense que c'est plus logique, quoi. Je demande à Panier à Salade et de quoi faire retirer le véhicule qui est une preuve contre eux, en fait. Bah, de toute façon, vu ce qu'ils ont dit, oui, clairement, tu peux, voilà. Tu peux le demander là. Faites de retirer le véhicule. Donc, en gros, je prends de ma mallette de preuves et compagnie. Pour l'instant, on passe aux autres. Un marquage. Non, mais c'est tout ce que je fais. C'est juste que je fais un marquage, machin, j'écris ce qu'il faut. Donc, on arrive à l'axe. Hein ouais. Mais avant, je vais juste faire. Bah non, Rick, il est pas là, donc je vais pas le faire jouer. Rick, il. Donc, l'axe. C'est mal le force de l'axe. T'as connu. Oui. Tu veux qu'on reparle de la police des blagues douteuses, hein? du coup, alors, bah, Obi, on... un point. Obi, one point. on arrive à l'axe, tata, et on cherche du coup les bagagistes, puisque José Reinhardt était. Voilà. L'axe. Alors, la question c'est, est-ce qu'on a un mandat ou pas? Parce que... Attends, il est recherché. Oui. Tu cherches des infos, donc tu vas aller leur parler, quoi. Ouais, mais bon, du coup... Même s'il est passé sur tous les écrans de télé, il y a quand même un mandat de recherche. Non, il est passé sur les écrans de télé pour l'instant. Non, il est pas passé. On n'a pas communiqué. Non, il n'y a pas eu de communication sur sa disparition pour l'instant. Oui, il n'y a pas eu de communication, mais en interne, à la police, il y a un mandat de recherche. Il a tous les policiers ont leur son signalement. Au départ, c'était pas si évident que ça. Si. Au départ, on a bien dit qu'on diffusait rien au niveau des médias, mais toute la police de LA a le signalement de José Reinhardt pour qu'il puisse le signaler. C'est ça, en fait, les médias sont au courant, hein. Je le dis tout de suite. Hein. Non, parce qu'on on l'avait pas. Non, parce que justement, on savait qu'il y avait un flic ripou et que non, ça, on l'avait pas. Oui, il voulait pas d'être dans un putain. Ouais, on l'avait pas. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Dans tous les cas, vous êtes accueilli par le SSC, le CCS, je veux dire. Je me rappelle bien. Le CCS qui en gros, ce qui est en charge des frontières sur. Ils sont au courant, hein, donc. Par votre chef, ils sont au courant qu'on arrive, quoi. Ouais, complètement. D'accord. Donc, la question c'est, est-ce que vous avez donné le nom des trois mecs que vous voulez parler, à qui vous voulez parler? Parce que c'est une collaboration avec le truc des frères, donc à savoir. On leur dit, ouais. Ouais, on leur donne. Ouais, bah, ils les font venir dans des salles d'interrogatoire. Ils sont sur place. Ah! Clairement. Bah, c'est cool. Ah, bah, je les remercie. Ouais, non, mais. Donc vous les avez, vous attendez quand même une petite heure sur place, hein, qui vous les amène, mais vous les avez les trois dans trois salles différentes. Bah, on profite de la petite heure pour savoir Lynn veut faire en fait. Tu veux les secouer observer. Je vais les observer pour voir un petit peu comment ils réagissent psychologiquement parlant. Bah, ils s'attendaient pas à quelqu'un les attrape pour le mettre pour une interview par le CCS, parce que en gros c'est quand même la police des frontières, ouais. Quoi, qui vient de les attraper, les mettre. On veut vous parler, allez. À savoir que ça veut dire qu'ils, juste ça veut dire que leur job est compromis, hein, en soi. Ah, ils bossent à l'aéroport. Non.
Ah bah, bah, ils veulent le penser, comme... mais... Essaye de... Tu leur dis simplement, bon, on est au courant de tout, on veut juste avoir des aveux. Le premier qui se met bah, je pense que je vais y aller poli... alors, j'ai pas les noms des trois gars, en fait. Je sais pas si je les ai... Bah, c'est un truc qui est bidule. Alors, il y avait quoi... c'était... J'ai les noms... Ramon Kinsley, William Perry, Jonathan Jerry, c'est ça? Ouais, c'est ça. Jonathan Jerry. Pardon. Ouais, ça. Ramon Kinsley, William Perry et Jonathan Jerry. C'est les trois noms, normalement. Si vous avez pris, vous avez écrit ou pas, je sais pas. Mais voilà, c'est les trois non, noms. Non, je sais pas. Avez... Et donne-moi le deuxième, s'il te plaît. Non, je suis reparti me chercher de l'eau. Oh. Ah oui, j'ai soif. Tu l'as fermé un peu plus, peut-être que t'aurais moins soif. Hein. Ramon Kinsley, William Perry, Jonathan Jerry. C'est ça, c'est William Perry que j'avais pas. Hein, William Perry, voilà. Ah oui, c'est ça, lui il était déjà mort, c'est ce que j'avais dit. J'avais fait la vanne la semaine dernière, je crois. Mais ouais, du coup, je les avais pas notés. Bon, bah, du coup, je vais prendre le premier, Ramon là. Kinsley et je vais jouer gentiment et lui dire ben voilà. Vous faites le truc à deux ou vous le faites ou il y a que toi qui verbe sur lui. Parce que vous pouvez très bien faire une un interrogatoire à deux. Hein. Que, comme c'est comme pas tu des veux, suspects. C'est pour ça que je vais te causer avant qu'on y aille. Comme c'est pas des suspects, moi j'ai pas forcément envie d'y aller en mode agressif. Maintenant, l'idée c'est que si on sent qu'ils ont des infos et qu'ils nous les cachent, là on va le devenir vraiment agressif et violent. Donc tu veux la jouer good cop bad cop. Ouais, à la limite, ouais. Tu fais good cop et je fais bad cop si on sent qu'il y a quelque chose. Alors, vu mon score d'intimidation, je préférerais que ça soit moi le bad cop, mais... dans ce cas-là, je peux la jouer good cop, hein. C'est vrai que l'Hispano, ouais. Il est toujours sympa. C'est ça. Bonjour. Monsieur Kinsley, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Nous voudrions vous poser quelques questions à propos de Monsieur Reynard. José Reynard. Oui. Vous connaissez. Oui, c'est un collègue. Je croyais qu'il ne travaillait plus ici. Oui, il a été viré il y a de ça pas si longtemps que ça, quelques semaines. Viré à cause de. Il a été pris à voler. Ah, ça fait pas bon sur un CV, ça. C'est... Sûrement. Et vous le revoyez en dehors de... Vous l'avez revu depuis son licenciement, plutôt? Oui, on l'a revu, je l'ai vu quoi c'est le lendemain ou le surlendemain, je l'ai vu chez lui. Et depuis, vous l'avez plus du tout vu? Non. Et vous savez pas où il se trouve? Vous avez même pas eu de conversation téléphonique avec lui? Non. Vous le connaissez bien? Avait-il de la famille, une amie? De la famille, je sais pas. Après, je sais qu'il sort avec une nana pour aller hôtesse, ou je sais plus, ou elle travaille dans un bar, je sais plus exactement, mais... Et en même temps, nous, on a reçu des ordres de supérieurs d'éviter quand même de le fréquenter. Hein. Parce que bon, ça fout mal, quoi, de traîner avec un voleur. Mais vous l'appréciez ou pas? Ah, il est sympa, ouais, il est très sympa. Mais c'est un voleur. Bah, il s'est fait prendre à... Bon, on a des raisons de croire qu'il est en danger. On aimerait le retrouver. En danger, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est pas ce que lui a fait, enfin ce que lui a fait, mais c'est ce qu'il a vu. Un petit jet. un petit jet de quoi? Ah bah sur vos trucs d'interrogatoire pour le coup, donc. Interrogatoire. Et alors suivant. Un flic ou. Non, c'est intimidation, rhétorique ou l'autre, c'est charme. Ouais, et suivant le choix, justement, je suis en train de vérifier pour pas dire une connerie. Charme? J'ai pas charme. Éloquence, intimidation ou rhétorique?
Ouais, ça, ah bah, ça va être rhétorique alors, hein, parce que pour le reste, c'est pas génial. Donc, si c'est rhétorique, c'est sur éducation, et si c'est intimidation, c'est sur sang-froid. Ah putain, rhétorique, c'est sur éducation. Oh putain, je savais bien que j'étais de la loose de ce côté-là. Mais je le fais quand même sur rhétorique. Oh oh, oh, c'est beau ça. Ah ouais, ça c'est du dé explosif. Il a dit que j'explose encore et que j'explose toujours. Attendez, ouais, mais attends, moi j'ai encore un droit à lancer en fait. Oui. Oui, ça aurait été un truc spécial. Ouais, bon, tant pis. Ouais, bon. Ouais, c'était juste pour ajouter le lancer. Mais rien qu'avec ce qu'on a, à mon avis, là, je pense qu'on va pouvoir avouer que tout petit, il tuait des chats. Non. Clairement pas, parce que c'est pas la question. C'est pas loin, quoi. Donc, je sais qu'il a du mal à ce qu'il se fait, bon, il se fait virer et c'est vrai que franchement il a des vrais problèmes quoi. Parce que ça avait l'air. Ah bah, l'air de dire que, on parle de problèmes vrai. Qui pourraient être assez définitifs si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ouais, je comprends ce qu'il voulait dire alors j'ai un super plan qui va me rapporter plein d'argent. Ah parce qu'il vous en a parlé. Bah, il en a parlé à tout le monde, à tous les collègues quand on s'est fait virer là. C'est pas grave que de toute façon il allait se faire plein d'argent, etc. Et qu'on était tous une bande de cons. C'était très sympa hein, comme au revoir, mais bon. Bien, je cerne bien le personnage en fait. C'est vraiment un loser de première quoi, un cave. Et il en a dit plus sur ce fameux plan qui a lui rapporté Monts et Merveilles ? Non, pour le coup, non. Après, il vous a pas parlé d'une personne, d'un contact Peut-être Perry, enfin William, on sait un peu plus. Je sais qu'ils étaient plus proches, mais sinon, pas mieux. Eh ben, c'est bien, on va voir ce monsieur Perry. En tout cas, je vous remercie pour votre coopération. Mais il va bien, hein. Enfin, il est. Ah, écoutez, nous on espère qu'il va bien, parce qu'on aurait beaucoup de questions à lui poser, mais. Disons que. Effectivement, on aimerait bien le retrouver, mais comme il est absent, on commence à s'inquiéter. Vous voyez, on n'aimerait pas qu'il soit actuellement dans un l'estomac d'un requin. Dans un merdier infâme, si je puis me permettre. Bon, passer au suivant. Ouais. Bah, je pense qu'on va appeler Monsieur Perry, hein. Ouais. Bah, vas-y, hein. Fais-toi plaisir, il est là. Monsieur Vous Perry. Vous lui réservez le même topo pour le coup? Ouais, ah bah oui, ouais. Parce qu'à ce moment, je refais pas la discussion. Hein. C'est mettre au bout, on passe directement au jet. Hein. Monsieur William, vous êtes une bonne poire, je pense. Non, mais par contre, on insiste bien sur le fait que José est dans la merde et que c'est vraiment une question de humour, quoi. Ouais, je pense que. Vu qu'on a bien compris qu'apparemment ils étaient proches. Mais je la joue pas très agressif, quoi, moi, de mon côté. Terme d'interrogatoire. Ah non, je suis pas agressif, mais on met un peu de pression quand même. Hein. On dit bien on met un peu de bière. Il serait de bon ton qu'on puisse le retrouver avant, parce que à mon avis, si d'autres personnes mettent la main dessus, c'est pas un sale quart d'heure qui va passer. Ouais. Les autres vont se jouer médiéval, hein, avec des mecs qui seront bourrés de crack et qui voilà. Donc réponse. Faites léger. Allez. Léger. Eh ben voilà, là c'est plus... C'est... Voilà. Ah mais t'en as acheté qu'un seul, Lynn. Oh. Oui mais attends, non, Lynn en a acheté deux. Oui, mais j'ai le droit de... En fait, j'ai le droit de relancer un échec. Ouais, c'est ça. Et, voilà, qu'un seul. Et c'était sur quoi, sur intimidation que t'as fait, toi? Ouais. J'adore, moi je fais son jet de résistance en sang-froid, et lui c'est sous 7. Et lui, c'est pas de malus. Bah. Allez, vas-y, rejette ton jet, s'il te plaît. Non, mais il a déjà rejeté. Non, c'est bon. C'est Donc, non, mais comment il est en danger, mais il m'a dit que c'était un plan facile. Conduire un camion. Peut-être accompagner des gars à un endroit, et puis c'est tout, quoi. Ah bah, il a juste oublié un meurtrier dans la description, c'est tout. C'est ça, c'est que dans les gars qui transportaient, il y a un meurtrier, et qu'on pense que ce meurtrier-là cherche à le retrouver. Bah, écoutez, moi, tout ce que je sais, c'est que je devais... Je lui ai avancé de l'argent. Enfin, exactement, je lui ai payé un billet... Un billet pour les Seychelles, on a les simples, il devenait de le récupérer hier ou avant-hier. Là. Ouais.
Il n'est jamais venu, personne n'est venu. Et moi, je me suis retrouvé avec ce billet. J'en ai chié pour me le faire rembourser par la compagnie. Hein. Putain. Donc, si je le revois, voilà l'ami, quoi. Ah bah écoutez, on pourrait peut-être lui dire à son enterrement. Ah bah oui. On va peut-être plomber l'ambiance là, mais s'il est pas venu, c'est qu'il a des soucis. Vous avez pas donné un numéro de téléphone où le contacter? Vous le connaissiez bien, il me semble. J'ai juste son numéro de téléphone perso, quoi, mais il répond pas. Vous le connaissez bien. D'ailleurs, on n'a pas eu d'infos sur le téléphone, on sait pas où il est. Vous l'avez, le téléphone. Oui, on l'a, le téléphone, on l'a retrouvé dans la maison. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on peut pas le localiser via son téléphone, ce qui nous fait bien chier. C'est pas con. Est-ce que vous connaissiez s'il avait une... des amis proches, des enfants ou... Jonathan, Ramon, et puis il y a sa copine, là, Julia, ou Julie, je sais plus. Julie, ouais, c'est ça, Julie. Et après, non, pas plus que ça, quoi. Moi, je sais que nous, on se voyait au moins une à deux fois par semaine, parce qu'on se prenait une bière dans un près de chez lui, mais... Il s'appelle comment, ce bar? Le Chaudron. Mon patron se prénomme Taram. Par contre, toi, tu rames avec tes blagues. Oh. Ok. Ok, Loki. Alors. En aparté, c'est moi ou on est en train de passer à côté de quelque chose là? Je pense qu'il est en train de nous biper. Je pense qu'il a, il sait où il est et qu'il va pas nous le dire. Hein, je... Alors, il n'y a pas grand chose là. Il n'y a pas grand chose. Alors, le souci, c'est que s'il sait où il aurait été le voir pour se faire rembourser. On peut oublier des Seychelles. Alors, justement, on va essayer de le contrer sur ces trucs. Et c'était quelle compagnie le billet pour les Seychelles? Alors, pour le coup, comme je connais pas les compagnies aériennes, j'en ai inventé une. Hein. La Panam. California Airline. Hein. Ouais, ça marche très bien, California Airline. Ok, et ils font des vols pour les Seychelles direct? Alors, oui. Enfin, tu checkes. Ouais, je vais aller demander à la police locale. Ça te prend un peu de temps, et oui, clairement. Et il y avait un vol, ouais. Justement, qui correspondait à peu près. Et est-ce qu'on peut vérifier s'il avait un billet dessus ou pas? Alors là, pour le coup, ça va te prendre un peu de temps. D'ailleurs, ouais, tu vas devoir checker les bases de données. Un petit jet qui va bien, quoi. Bah, j'aurais tendance à demander aux flics des frontières qui ont plus l'habitude de le faire que moi, quoi. Alors, ça les fait un peu chier, hein, clairement. Maintenant, si t'insistes un peu, ouais, ils peuvent le faire, mais tu devras leur remonter l'ascenseur, quoi, un jour. Oui, pas de soucis. Donc c'est pas sexuel. Ok, ils te disent, ils vont vite fait checker, voir si le mec il a acheté ce billet, ouais. Et qu'il se l'est fait rembourser. Ils te disent, tu auras pas dans 10 minutes, ils te diront ça, quoi, le temps qu'ils cherchent un peu. D'accord, bah, je les remercie, et puis je retourne. Voilà, j'ai lancé la recherche pour savoir si vous avez bien commandé ce billet. Monsieur. Oui, bon. Si vous voulez. vous faites le dernier? Ouais, je vais faire Jonathan en dernier. Pour le coup, je le fais hors jeu. Vous en tirez rien de plus que ce que vous avez déjà tiré de Ramon. Clairement. Mais... Question. Il nous redit que William Perry est le mec qui est le plus proche. Ouais, clairement. Ouais. Est-ce qu'on filerait pas, on laisse terminer sa journée, on le filerait pas au cul? Ben j'aurais même tendance à dire qu'on envoie une bagnole chez lui en fait, mais directement voir s'il n'y a pas d'une activité, faire la planque devant sa bagnole quoi. Ben non, chez lui, à lui. Perry. Bah c'est possible, hein. Tu me diras, on est en heure sup? Non. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore, pas encore. On peut jeter un coup d'œil nous-mêmes, hein, carrément. Bah l'idée c'est que j'aimerais bien aimer qu'il y a des gens qui attendent qu'il ait fini sa journée ici, d'autres qui vont voir sa maison et qui font la planque.
Est-ce qu'on peut demander au CSC de nous prévenir dès qu'il a terminé sa journée? Il va la terminer à peu près en même temps que vous, sa nuit. Ah! Dans ce cas-là, on peut le suivre, vraiment. On le prend en filature. Bah ouais. Bah carrément. À 7h du mat. Carrément. Et du coup, on va faire ça et on va prévenir donc Rick et Denis. Dans tous les cas, comment s'appelle? L'officier revient et te dit il te montre les papiers. A priori, il y a même une note comme quoi il a cassé les couilles à la nana qui s'occupait de l'accueil pour pouvoir se faire rembourser. Pour se faire rembourser le billet. D'accord. Remarque. Franchement, c'est pas con, mais si moi je suis José, que je m'aperçois que je peux pas partir avec ma nana parce qu'il y a un mec qui est au basque, et je vais peut-être essayer de récupérer du liquide pour me barrer autrement. Il y a qu'un seul billet. Il y a qu'un seul billet. C'est un connard. Pardon. Voilà, c'est dit. Ouais. Bah après, il aimait pas suffisamment sa copine pour partir avec, c'est tout. Ça arrive, quoi. C'est méchant, hein. J'ai envie de dire quelque chose, mais je veux dire, c'est pas la première femme qui s'est fait avoir, quoi. Je veux dire, oui. C'est bon, hein. Bon, pendant que vous réfléchissez, je repasse à l'avion. Alors. Bon. Moi, je retourne après qu'ils aient récupéré les trous du cul et... C'est fait. Bah, je retourne sur les lieux du crash et... Ok. Il se passe quoi d'autre, quoi, et puis que... Jette scène de crime. Ah, il y a toujours une poussette avec un bébé qui pleure. Oui, mais ça, pour le coup, c'est pas... Rick s'en est occupé, et c'est les services sociaux qui vont chercher la parente la plus proche pour... Je pense que la scène avec Rick qui a le bébé dans les bras, et qui te regarde méchamment en disant, pendant que t'étais en train de faire je sais pas quoi, le bébé a chié dans sa couche culotte et j'ai rien pour le changer. Alors, c'est éducation, scène de crime. Ouais. Changer de couche culotte? Non, t'es un peu dur là. L'incendie a été éteint par les pompiers, donc. Super, je vais rien avoir quoi en fait. Si, je vais récupérer la boîte noire que je vais confier au service des crashs. Une boîte noire sur un avion comme ça. Hein. Sur tous les avions, hélicoptères, tout, il y a toujours une boîte noire. Oui. Même deux. Elles sont plus petites que celles des 747, mais voilà. Et toujours. Alors, bah voilà. Ça fait bien. Deux succès. Voilà, ça fait des réussites. Ouais, mais bon, avec les pompiers qui ont aspergé l'eau et compagnie. Il y a une chose qui est sûre, c'est que dans l'avion, il n'y a pas de cadavre, hein. Il n'y a pas de personne vivante dans l'avion. Oui, donc c'est normal vu que c'était un truc qui était piloté. Et même si les pompiers ont aspergé tout, a priori, à la place du conducteur, en fait, il y a tout un attirail électronique et mécanique. Ouais. Ok, et sous l'avion une crêpe. La tôle froissée. Je sais pas, de la pulpe de chair humaine. Oui, ça clairement, mais bon, si tu veux en faire de la pulpe. Ça, c'est franchement pas de bol quand même. Bah, par de l'orangina. Mais... Je sais pas de quel sexe est le bébé, mais alors lui ou elle a vraiment un cul d'enfer. Hein. C'est clair. Je pense pas qu'il finira pilote quand même. Hein. Mais là, il s'est surpassé. Ouais, ça serait bon. Bref, je récupère les boîtes noires, enfin je récupère les indices, la carlingue est un indice. Oui, bah. Voilà. Je suis même en train de penser que si la mère est vraiment sous l'avion, elle a dû se faire découper en plusieurs morceaux par la pale de l'hélice avant de se faire écraser, ce qui est quand même assez fort. C'est dégueulasse en fait. Ah oui, parce qu'il doit avoir des morceaux un peu partout là. Dans tous les cas, il y a un homme qui se présente et qui dit « Vous avez vu ma femme et mon fils ?» De quelques mois. D'accord. Monsieur ? Bonjour. Je me présente. Assieds-vous, monsieur. Détective Akilian. Puis-je vous inviter à vous asseoir quelques instants ? Vérifie d'abord son identité, s'il a un bon mot, je conseille. Hein. Parce que s'il se barre avec le mot, mais qui ? C'est ça. Puis-je voir votre puce d'identité, s'il vous plaît? Oui. La puce. Oui, bon, la puce. Oui, bah, c'est ce qu'il a dit. A priori, oui. Donc, t'as son identité, t'as l'identité, il est marié, il a un enfant qui a 5-6 mois. Ouais, donc... Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par laquelle? Quelle était la poussette à bord
où se trouvait votre enfant À quoi ressemble-t-elle il te montre la poussette qui est toute seule, là, qui est au milieu de la... qui a été mise sur le côté par Rick. Par Rick, d'accord. Bon. Bien. Vous êtes assis, monsieur. Il est assis. Sachez que vous avez un fils qui est un sacré vénard, monsieur. Moi, je serai vous. Je fais une patte grille de l'auto tout de suite, là. Parce que là... Donc, je suis dans le malheur de vous dire que votre femme est décédée suite au crash de cet avion que vous voyez, là. C'est une blague. Non. Et on aurait aimé, mais non. Votre fils est dans les bras de mon collègue là-bas. Et il pue. Je peux récupérer mon fils? Avec plaisir. Il y a une ambulance qui prend le relais hein, sur le soutien psychologique. C'est... Moi j'ai fait mon office, hein, tu sais, mais je fais que ça! Eh bah écoute, c'est pas banal quand même de devoir annoncer à son mari que son épouse est décédée par un avion qui est tombé dessus alors que son bébé qui était avec elle s'en est sorti indemne. Ou sinon, peut-être que justement elle a vu que l'avion allait s'écraser sur elle, elle a poussé la poussette, hein. On ne saura jamais. Mais bon, qu'importe! Qu'est-ce que vous faites? Ben, je lève la scène, hein, de toute façon, il n'y a rien d'autre façon, à récupérer. Ouais, une fois que les pompiers ont éteint l'incendie et que les ambulanciers ont pris en charge le type et le bébé, et que les autres sont en train de ramasser les bouts qui traînent partout pour le mettre dans un sac en noir... Dans un sac poubelle, tu veux vous dire. Vous avez un message vidéo de Lynn et Guillermo. Ouais. Donc je vous laisse Lynn et Guillermo dire qu'est-ce que vous leur avez laissé comme message. Bah qu'on... On avait interrogé On a interrogé les compagnons, enfin les anciens collègues de José Reinhardt. Qu'il y en a un qui nous paraît un peu chelou, un peu suspect. Donc on finit bientôt sa journée, donc on va le suivre pour jusqu'à chez lui, voir s'il ne essaie pas de nous doubler. Et voilà, enfin je vous transmets l'adresse et puis on se donne rendez-vous là-bas. Ouais, je vais. Sauf si vous avez d'autres choses à faire, quoi, mais a priori. Bah, à part mes rapports, je pense pas, mais résultat des courses, je vais passer au COPS et récupérer ma bagnole. C'est pas le moment de s'étaler sur sa vie sexuelle, merde. Ouais. Qui sera plus discrète que la voiture, la Spitfire du LAPD. C'est ça. Donc, au pire, je me charge de la filature et de comment et c'est pas idiot. C'est vrai que nous, on a une voiture banalisée, c'est un peu con. Je crois que je suis suivi par les flics. Non, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est lui balancer le descriptif du véhicule dans lequel William se casse avec son numéro de plaque. Bah, de toute façon, je vous pense avez qu'il va pas s'amuser hein, à le changer. Oui, vous avez son identité, vous avez ce. Ouais. Vous savez quel véhicule il a, où il habite. Ouais, s'il est assez, ouais. Assez maniaque ou assez schizo pour. Ou parano plutôt. Pour changer, prendre la bagnole de son copain, etc. Non, on va attendre, on va vérifier. De toute façon, on verra juste quitter l'aéroport et après, nous, on se casse. Là, ça ne semblera pas du tout. Ok, pas de souci. Bien, bon, donc... vous mettez ça en place ? Ouais, on met ça en place. Donc, résultat des courses, en fait, on passe au COPS. Alors, ouais, c'est simple. Pour arriver à l'heure, parce que ça va bientôt être l'heure de pointe, tu vas me faire un petit jet de conduite sans froid. Y'a pas de problème! Et je veux au moins deux réussites! Attends, sans froid t'as dit? Adrénaline, hein, si tu veux, prendre des points d'adrénaline. Hein. Non, mais t'inquiète pas, conduite, ça passe tout seul. Tiens, regarde! Ça passe tout seul! Donc, t'arrives au moment où la voiture sort du parking et les autres te font la description. Non, mais ils me la font par. Ah, c'est lui! Ou des trucs comme ça, toi. Ouais, enfin bon, de toute façon, on s'en fout. Dans tous les cas, tu fais la filature ? Ouais. Donc, ça va être quoi ? Ça va être discrétion, je sais pas. Très quoi ? Bah, je dirais que c'est un jet de conduite avec
avec de la coordination, non, tout simplement pour. Ouais, j'aurais mis. Je sais pas, parce que c'est aussi de la discrétion, quoi. C'est un... Bah, c'est tu prends le minimum des deux, quoi. Enfin, le maximum des ouais, deux. Ouais, ouais, on va faire ça. C'est... Ouais, on va rester sur conduite. Bah, c'est de la conduite, moi. Conduite, coordination. Depuis tout à l'heure, je ne fais que ces jets-là. Ah, bah là, je vais avoir un peu de mal. Et je veux. Une. Réussite. Que j'ai. Parce qu'il s'attend pas du tout à être suivi, en fait, le gars. Donc, ouais. Il est pas spécialement prudent. Bon bah tu le suis, rentre chez lui hein. Bah on se pose tranquillement coin de la rue pour surveiller. Nous, comme il faut. On va y aller ouais. Aussi. Ouais. Ah par contre vous arrêtez plus loin et puis vous retirez les best cops. Hein. Ça. Ça. Je veux au moins un bloc de distance. Ah oui, on va c'est, se faire un peu plus loin et on va. Surveiller sa maison et lui jusqu'à quelle heure? Pour se relayer. Mais je vais dire, je pense qu'on va demander à un renfort de police pour le faire. Okay, après, je sais pas si. Chi, clairement. Clairement, on te dit non, démerdez-vous, on n'a pas que ça à faire. D'accord. Il faut, si tu veux un truc, il faut que tu passes par le procureur qui débloque, on va dire, des moyens supplémentaires en hommes pour ça. Et là, pour le coup. C'est ce que j'ai dit, il va falloir se relayer. On est d'accord, le mec il dort. Enfin, il a bossé toute la nuit là, oui. Comme nous. Ouais, oui, il va sûrement donc, aller dormir. A priori, il va peut-être un truc, mais il va dormir. Ouais, il y a des chances. La question c'est, est-ce que. Déjà, il y a une voiture qui est garée en plus de la sienne. Non. Est-ce que. Quand je demande du coup à Denis, est-ce qu'il a ouvert la porte quand ou est-ce que la porte était déjà ouverte quand il est arrivé? Serrure. Il a sorti ses clés. Bah tu me fais un jet perception. Perception tout court. De réussite. Savoir s'il y avait quelqu'un déjà 6. À l'intérieur ou pas quoi. Ouais, ouais bah de toute façon je fais que ça depuis tout à l'heure des 3 et 6. C'est bon. Ouais c'est bon de réussite. Ouais. De réussite 6. Ouais clairement il utilise la clé pour entrer. Donc après, de toute façon, tout ce qui reste à faire, c'est, je sais pas, moi, dans 6 heures, peut-être aller... Soit vous vous relayez, soit voilà. En fait, vous, y en a un qui va, au central pour négocier avec le substitut du proc pour avoir une voiture de patrouille qui... Bah, on peut demander à Denis de le faire, en fait. Ouais, c'est ça. On va passer... Mais, sauf que son car, il est fini à Denis, hein. Il avait plus de raison de rester là-bas, hein. Les gars, on va pas se prendre... Les gars, on va pas se prendre la tête, on va se relayer, je sais pas, il y en a qui dorment 6 heures là, et puis moi ensuite j'irai dormir 6 heures, hein, et puis voilà. De toute façon j'irai dormir 5 heures. Quand on reprend dans 12 heures. Ouais. Donc allez vous reposer les horaires c'est 22h, 7h exactement. Non, les horaires, donc... Bon bah c'est bon, allez vous reposer 6 heures, moi je me reposerai le temps qu'il faut, et puis au pire, soit je reste tout seul, et puis Rick il va se reposer aussi, et puis voilà. Vous faites ça ? Ouais. Okay. Ouais vas-y on fait ça. De toute façon c'est vite fait hein. Donc vous passez votre journée, dormir, surveillance, etc. Alors on est loin du COPS ou pas là? Vous êtes toujours à l'axe en fait, le gars il habite aussi à l'axe. D'accord. Par contre c'est attention avec cette bagnole. Accélérateur est sensible. Accélérateur est sensible. Bon. Je vais faire rapidement la journée du type. Bon, et on passe directement au roll call après. Hein. La journée du type, c'est. A priori, il est chez lui. Pendant 8 heures, il sort, il va au magasin du coin s'acheter à bouffer pour son midi. A priori, il doit bouffer. Puis. Il reste toute la journée à sa maison. Puis après, il repart, il reprend sa voiture et il retourne à l'axe. Ok. Pas d'activité anormale en soi, vous l'avez pas vu contacter quelqu'un en particulier, etc. Il a juste de mener sa vie, le gars. J'ai l'impression qu'on veut chou blanc. Oh, merde. Pour être certain,
Pour un certain, on va demander le relevé de ses appels. On sait jamais. Ok, bah, si ça sera de toute façon après le roll call. De toute façon. Après le roll call, au pire, pendant que vous faites ça. Ouais, non, moi j'ai ça aussi à gérer. Bon. Il y en a qui devraient aller, tu sais, dans le genre, je sais pas, il y a. Oh, on a vu quelque chose de suspect autour de cette maison. On va juste faire le tour et écouter ce qui se passe dedans. Ça m'aurait bien tenté, mais. Voilà, je pense que. Mais t'as compris le truc, quoi. C'est. Oh, il y a quelque chose de suspect. Allons voir. De toute façon, oui, une fois qu'il est parti à son boulot, on peut toujours jeter un coup d'œil, hein, c'est sûr. Mais. Enfin, on rentre pas, on jette un coup d'œil. Enfin, techniquement, dès que tu rentres sur son jardin, c'est mort, hein, mais. Ouais, c'est pas faux. Mais bon, tu peux dire que t'as entendu du bruit. Hein. Oui, voilà, c'est pas grave. Porte ouverte, quoi. J'ai un coup d'œil et puis. J'ai bien entendu, vous planifiez de faire un saut chez lui sans mandat, sans rien du tout. Non, t'as rien entendu. Comment dire justement. Non, c'est pas vraiment. La question que je voulais te poser, c'est. Vous voulez de l'aide ou pas? Bah, l'idée, c'est que. Bah, on va juste jeter un coup d'œil. Une fois qu'il est pas là, après. Ça va nous prendre 30 secondes. Hein. Oui, on passe devant spécialement pour voir s'il y a de la lumière. Au moins vérifier, vérifier qu'il n'y a pas de lumière et qu'il reste allumé quand le mec est parti. Bah, de toute façon, lui il part à 21h, le roll call est à 22h. Voilà. Bah, ça à partir du moment où il part, clairement, quand il éteint ses lumières derrière lui, bah non, il n'y a plus de lumière derrière. Hein. Ouais. Maintenant, vous voulez les fenêtres, comment ça s'appelle, les rideaux dont pendant la journée n'étaient pas spécialement tirés non plus, ce qui fait que vous l'avez vu se déplacer dans la maison, et a priori il était tout seul. Hein. Bon, bah, il ne reste plus qu'une seule chose à faire. Aller voir Taram, le propriétaire du chaudron. Ouais, je pense. Voilà, ça va. Et mesurer, et récupérer les appels, parce que peut-être que le mec est pas là, mais peut-être que lui est au courant d'où il est. Ouais. Bon, dans tous les cas, roll call. Oui. Un peu claqué pour certains, mais bon. Bon, 6 heures, c'est pas si mal. Ouais. Bon, non. J'ai pas fait mon sport. Donc, au roll call, donc nous avons toujours Todd Hawkins qui est là, mais il y a aussi Jason Stripnik, à savoir le patron du COPS qui est là. Oh putain. Et qui est accompagné de. Comment il s'appelle déjà? De Jonathan McConroy, à savoir le procureur de Californie. Oh putain. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il pense? On va le savoir bientôt. Bon. Ouais, je pense aussi, mais. Alors. Messieurs, Rick, enfin Gray Rick, vous êtes déchargé du dossier sur le KKK. Le procureur reprend le dossier et a demandé à changer d'équipe sur la partie qui concerne tout ce qui est en rapport avec Security 3000, Sean Campbell et autres. Donc toute cette partie du dossier ne vous concerne plus et vous n'avez plus à enquêter dessus. Pour ce qui est par contre de la partie des attentats et autres, elle est toujours pour vous. Par contre, toute la partie sur Security 3000, les liens avec le KKK, les enquêtes autour, c'est fini. Vous êtes déchargé du dossier. Voilà. Mais Conroy vous fait un grand sourire et se casse. Attends, ça, mais c'est le procureur. C'est le procureur. Oui. Ouais. C'est le procureur, donc grosso modo, le procureur est en cheville avec. Ou alors il fait une belle. Enfin bref, voilà quoi. Ouais, il fait une couille quoi. Qui c'est ce gars-là? Le procureur, donc McConroy, est l'une des personnes pressenties. Par un parti politique, c'est un leader d'un parti politique très à droite. Il est pressenti pour être le candidat à la prochaine élection municipale. Youpi! Pardon.
clairement, cette récupération, ça sent le coup politique. Oui, clairement. Non, ouais. Ça sent pas le coup politique, ça pue le coup politique, mais alors... Putain, je vais lui donner de la négociation, il va voir, il va pas l'aimer, hein. Oh, putain de politicard, la con. Là, c'est votre patron, une fois que les pontes sont partis. En tout cas, je veux pas vous voir sur cette affaire. Et si... Il y a pas de deux ici. Non, mais excusez-moi, Et si ça regroupe avec cette affaire, ce qu'on est en train de faire? Faites gaffe à ce que vous faites. Si... Actuellement, de ce que j'ai eu de votre affaire, vous êtes en train de chercher une personne. Oui. Si vous n'arrivez pas à trouver d'autres liens avec le KKK, je ne veux pas en entendre parler du KKK. D'accord. Aucun problème. Sauf si on trouve un lien. Oui. Ok. Sauf que si... Maintenant, vous n'avez pas à chercher ce putain de lien. Par contre, si le gars qu'on cherche se fait buter par des mecs du KKK, on va aller les chercher. On enquête sur les mecs qui les ont butés. Oui. Qui ont buté ce gars-là. Voilà. Mais pour l'instant, on est d'accord. Vous restez sur le fait d'essayer de retrouver ce gars-là. Ok. Donc, okay. Ça se résume par le KKK, c'est caca. On en parle pas. Guillermo, là-bas. C'est clair. Ceci était une blague de merde. Donc, vos deux équipes, justement. La semaine prochaine, vous êtes encore de service de nuit. Normalement, il y a un roulement. Il y a eu, a priori, un petit problème dans l'administration. Et vous allez faire deux services de nuit de suite. Désolé. Mais c'est pas grave, pour compenser le fait que vous avez deux services de nuit de suite, je vous ai retiré la moitié de vos heures en uniforme. Vous êtes obligé de faire un certain nombre d'heures en uniforme et de patrouille en uniforme. Hein. D'accord. Vous avez retiré la moitié de vos heures en uniforme et c'est Pitbull, ici présent, qui va les faire pour vous. Le mec il tire la gueule, mais alors putain! Oh la vache! Merci Pitbull! Va te faire foutre! Il y a quelque chose qui t'intéresse, Pitbull, pour te remercier? Ah non, mais attendez, vous êtes là pour le remercier. Il a pété la gueule à deux suspects la dernière fois. C'est sa punition. Il fait toutes les heures de d'uniforme de tous les gens qui sont en arrêt maladie et de tous les cops qui peuvent être en infiltration. Mmh. Et maintenant, il fait aussi la moitié de vos heures pour la semaine prochaine. Alors, si les suspects étaient du KKK, il a droit à toutes mes condoléances. Si ce n'est pas le cas, il peut. Bah, merci, Pitbull. C'est quoi ? Mais moi, je dis à Guillermo, heureusement qu'ils sont pas au courant que t'as renversé un mec pendant le gob. Hein. Ta gueule, Lynn ! Il y a Pitbull qui se tourne vers toi quand t'étais en train de dire merci. Ta gueule, le gob. Non. Oui, c'est officiel. Ton surnom, c'est le gob. Oh non. Ah ouais. Ouais. Ils sont tous au courant, a priori. Ah bah ouais. Le gob est le gob est headshot. Ouais, le gob est headshot. Ça marche bien. Hein. Ça marche bien. J'aime bien. C'est... Bon, de toute façon, moi, je suis pas censé rester longtemps ici, donc. Bon, moi j'aurais tendance. C'est pas le gob, c'est gob en tout court. Hein. C'est gob tout court. Ouais. Bon. Quel gob, si tu préfères. Non, gob. Gob. Ok. Moi j'aurais dit par choc, mais ça aurait été plus rigolo. Bon, le roll call se poursuit. Pour faire simple, hop, que je l'ai sous les yeux. À savoir donc Cannes et Bon Tuyau doivent continuer leurs affaires en cours. Padré reste au bureau avec le lieutenant pour expédier de la paperasse et préparer le prochain bulletin. Bulletin. On demande à Baron et Omerta d'aller sur une nouvelle affaire de meurtre. Sniper, on lui dit d'arrêter de s'inspirer des méthodes de Pitbull. On demande à Oya et Kesalt de continuer les trois affaires de mœurs qui sont en cours. Shark et The Brain, très clairement, leur dit gentiment que leur Todd leur dit gentiment que
Ils sont gentils, mais bon. Ça va, la prochaine fois, ils se rouleront une pelle ailleurs que dans une des cellules des cellules du COPS. Ça se voit. Ah, c'est Shark et Brain qui se sont roulés une pelle. Les The Brain, Ouais. Et du coup, c'est deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Une femme. Un homme, une femme. The Brain, c'est une femme de mémoire. Je sais pas, moi, Shark et The Brain, ça fait très cortex et minus. Mais bon, bref. Ouais, il y en a un qui a plus de mordants que l'autre. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je demande si on peut jeter un coup d'œil à la vidéo. Et bah t'as une réflexion du lieutenant qui te dit c'est pas une vidéo, ils ont été vus. Dommage. Ah merde. C'est con, on aurait pu faire un montage avec là. Qui c'est qui les a vus et qui c'est qui a balancé quoi. Les chiffres du regard. C'est con, on aurait pu faire le. S'il y avait une vidéo, on aurait pu faire un montage avec avec le mec du gob. Merci, Lynn. Et sinon, capitaine. Niveau enquête. Donc, vous avez pour vous donc en cours toujours l'enquête sur le crash de l'avion, l'enquête sur le gars qui s'est écrasé en bas d'un immeuble, et vous avez toujours ce gars-là, José, je sais plus quoi, à retrouver. José Reynard. Voilà, sachant que c'est surtout trouver a priori celui qui s'est fumé les quatre mercenaires. Si c'est votre seule piste, bah ça serait bien que vous le trouviez. Quand même. Ouais. on est bien conscient de ça, Capi. Bah je pense que ça serait peut-être pas mal de lancer un avis de recherche global. Oh, je sais. Bah faites donc. Hein. C'est toi. T'sais, il te regarde. C'est toi le premier détective dessus, c'est à toi. Non, mais je sais, mais voilà. On va le faire aujourd'hui, on va le faire dans la journée. Là. Dans tous les nuit. Cas, pas d'autre à faire pour vous pour le moment. Vous pouvez tous disposer. Capitaine, pour l'avion, c'est la scientifique à prouver et puis c'est fini. Hein. Et bah, faites le rapport et classé. Bah, voilà, je vais m'occuper de ça. Hein. A priori, c'est Rick qui est premier détective dessus. Ah, oh, bah, c'est Rick qui va s'en occuper. Moi, j'ai d'autres rapports à fouetter. À lire. Et Rick qui râle parce qu'il y a une espèce de bébé qui a pourri son uniforme et était obligé de le faire laver s'il avait coûté un bras. Non, justement parce que comme toi, il fait partie des bonnes du LAPD et il peut se faire laver son uniforme gratuitement. Bon, ça va encore. Bon, bah ok, Lynn. Okay. On fait quoi? C'est pour moi. Notre ami José qui essaie de jouer les fiddlers. Alors, et qui réussit pour l'instant. Moi, je dis, on va faire quand même le check de nos mails, machin, vérifier qu'on n'a pas de... Avant de faire ton appel large, tu veux pas qu'on essaye rabattre nos cousins, histoire de voir s'ils ont pas des informations? Mais c'est exactement ça, c'est que l'annonce officielle grand public, on va la faire... à la fin de notre service, si on n'a rien trouvé dans cette nuit. Sachant qu'on n'a aucune piste, donc il peut être n'importe où. Donc grosso modo, on... Alors, on les... Si il y a... Tout nous indique, José de Schrödinger. Il y a deux pistes potentielles. Est-ce qu'il existe ? Moi, ce que je veux faire, c'est récupérer la liste d'appels du mec de William Perry. Savoir s'il n'a pas eu des communications récentes avec quelqu'un, voilà, avec un téléphone public ou un hôtel ou n'importe quoi. Genre de téléphone prépayé, intraçable, etc. Oui, intraçable, mais on arrivera quand même à savoir où il était, hein, à peu près. Donc ça nous donnera peut-être au moins un quartier à visiter. On saura qu'il aura été appelé par ce type de numéro. Oui, mais ça peut nous donner une piste pour savoir si le mec est suspect ou s'il est vraiment clean et du coup on lâche l'affaire, quoi, on perd pas de temps avec lui. Ça élimine une piste. Deuxièmement, il y a toujours le bar en question. On peut y passer, voir si le mec a été vu ou si des mecs qui le recherchent sont passés. Si tu veux, je peux m'occuper du bar. Je le sens bien, le bar. Et du coup, troisièmement, mais avant qu'on parte, j'aimerais qu'on check nos mails, etc. et vérifie que dans les personnes, dans les cadavres qui ont été trouvés, il n'y a pas un mec de José Reinhardt. Ouais, voilà, c'est juste ça, vérifier qu'on n'a pas d'alerte, etc., quoi. Eh ben, allons checker nos mails.
Dans tous les cas, il y a aussi Wedge qui a son enquête en cours, donc... Je m'occupe surtout de ça, hein, les gars, hein, excusez-moi. Enfin, les filles... Ah, mais, sachant que vous êtes une équipe, hein, c'est-à-dire que vous pouvez l'aider aussi, hein. T'es pas tout seul dessus, hein, normalement. Non, mais de toute façon, ce que je cherche, c'est surtout l'identité du mec. Alors... Donc, on va faire dans l'ordre. Déjà, les empreintes digitales. Ouais. Elles ont toutes les deux été identifiées. Un nom, un prénom de chaque... T'avais dit qu'il y en avait trois. Trois ? Non, t'avais dit... Non, je t'avais dit qu'il y avait deux ou trois, t'étais pas sûr. D'accord. C'était une incertitude. Et t'en as deux différentes, et elles ont été identifiées. Clairement, c'est pas des délinquants. C'est été identifié dans les bases de données de biométriques. D'accord. Donc il y a celle du Maccabée. Ça a mis toute la journée à mouliner. Et c'est là, ça a dû finir il y a 10 minutes, quoi, quand t'es arrivé. D'accord. Donc, t'as les deux identités, je te les donne après. Ouais. Sur... T'avais quoi Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, déjà, que t'avais demandé? L'analyse ADN, c'est... Bah, pour le coup, l'ADN, ça va mettre beaucoup de temps à arriver, mais clairement, a priori, ça doit pas être quelqu'un de recherché. Un peu plus vite, s'il vous plaît. Une analyse de la vitre. Ah ouais. Pour le coup, c'est un double vitrage. Il faut quand même une certaine force pour passer à travers. Hein. C'est pas. T'es pas jeté pas... tout seul, quoi. Voilà, tu peux pas, tu fonces pas à pied en courant et tu passes à travers. Hein. Il faut soit que des gens la cassent avec une chaise, quelque chose, ouais. Soit qu'ils s'y mettent à plusieurs. Soit la personne portait une casquette en diamant. Ouais, c'est une possibilité, c'est pas écarté. C'est pas impossible, hein, voilà, c'est tout. Ouais, mais ouais. Comme il a pas fouillé toutes les ruelles autour, il a pas retrouvé cette casquette. Eh ben oui. Bah, c'est le genre de truc, si ça traîne, il y a un mec qui la ramasse, hein, ça c'est certain. Ah bah oui. C'est le petit bouton en haut de la casquette là qui. Tiens la casquette, hop, évidemment. C'est tout. Tout ce qui est particules, si t'as demandé un truc de particules sur le tapis, ce sera pas avant 48 heures. Pareil que pour l'ADN, t'auras un résultat plus probant dans 24 heures actuellement. Mais ce que tu peux être sûr, c'est qu'il n'est pas référencé au fichier des criminels actuellement. D'accord, bon. Et les gens ne sont pas référencés en termes d'ADN hein, dans les fichiers monsieur et même tout le monde. Ouais. Si le mec était sans histoire, tu le retrouveras pas avec son ADN. Par contre, tu pourras toujours le comparer à d'autres ADN. Ouais. Bon, cette affaire, de toute façon, actuellement, c'est... Alors, je vous donne les détails dans 5 minutes. Là, je dois couper 2 secondes. Ouais. Et parce que j'ai une commission très rapide à faire. Voilà. Hein, on va faire ça comme ça. Bon caca. Non mais les gens c'est enregistré hein, n'oubliez pas hein. Oh merde, non, mais justement c'est bien pour ça voilà. Merci Wade à d'autres solutions juste une chose que tu sais par rapport aux deux, j'ai pas les noms des deux personnes là sous les yeux parce que bah, comme je t'ai dit je sortais de chambre. Par contre elles font partie de la même entreprise les deux, donc à tout de suite. Bon. Alors, notre ami José, ouais, je peux interroger des indices, mais franchement, je suis pas certain qu'ils aient entendu parler de lui, quoi. Il a l'air tellement ben, loser que, de toute façon, voilà. À la limite, je dirais que ça, c'est pas mal, parce que ça nous permet d'avoir un réseau d'informations, on va dire, qui n'est pas en contact avec les flics. Je suis pas certain que ton réseau d'informateurs soit super, super copain avec le Ku Klux Klan. Pas trop. Et en plus, il est ouais. Pas trop non plus dans les fugitifs, tu vois. Il est plus dans le style côté bagnole. Tu vois ce que je veux dire. D'accord. On sait jamais. Il peut en entendre parler. Mais... Ah, maintenant, si José a décidé de récupérer une bagnole pour se casser, il y a peut-être des chances qu'ils savent quelque chose à ouais. Ce sujet. Mais bon. Alors maintenant, ouais. on va la faire autrement. Je m'appelle José Reynard. J'ai un mec qui veut essayer de me buter parce que je sais qui il est et je sais que c'est un meurtrier. Ouais. Je décide de pas prendre l'avion parce que je trouve que c'est dangereux. Parce que j'en ai peut-être parlé dans la voiture, que j'allais partir en avion. Oui, parce qu'apparemment c'est du genre assez penché. Hein, je pense, ouais, je pense.
Mais par contre, comme c'est un gros cave, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour essayer de se tirer de Los Angeles et éviter son assassin? Tu permets? Il ne reste plus que le chaudron. Et vu que c'est une cave, il est peut-être caché dans la cave du chaudron. Ouais, pardon. Non, je crois pas. Oui, j'y crois pas trop non plus, mais bon. Tu chantes une chanson qui va permettre de le sortir de sa planque. Non, parce que une des possibilités, c'est qu'il est peut-être allé côté du port, en fait. Parce que je pense qu'à Los Angeles, il doit y avoir un port qui traîne quelque part. Le problème, c'est qu'il faut pas raisonner comme quelqu'un d'intelligent, vu que ça a l'air d'être un confini, en fait, ce mec. Deux possibilités. Soit il a pris la mer et il s'est barré. Parce que il va peut-être se douter que les airs c'est la merde, parce que on sait qu'il travaille à l'axe et que du coup ça va être un endroit surveillé. Et que du coup il est connu là-bas, donc il suffit de payer un employé pour que si on le croise, pouf pouf, on a un coup de fil. Donc c'est pas top. Donc soit le port, soit une bagnole et peut-être rejoindre les États-Unis ou une autre ville de Californie ou le Mexique. Ou le Canada d'ailleurs. Donc effectivement le côté bagnole ça peut être pas con. Maintenant ça paraît pas idiot. Maintenant c'est vraiment trouver une aiguille dans une botte de foin, hein, parce que putain un mec qui veut acheter une bagnole à Los Angeles. Au pire, il demande à être remboursé. Il demande à son copain de récupérer le fric du billet pour qu'il puisse se choper une bagnole et se casser. Et la bagnole, il va forcément la payer au black parce qu'il faut qu'elle soit... Intraçable. Intraçable, justement. Ouais. Est-ce que c'est pas ça, justement? Je suis en train de me... Qu'est-ce qui ferait qu'il n'aurait pas décidé idéalement... de partir en avion? Mais est-ce que par hasard, s'il avait vu que le tueur, c'était un flic, justement, est-ce que c'est pas ça qui le ferait flipper? Alors, c'est possible. Je donne les infos à Wedge. Donc, l'une des comment s'appelle des empreintes appartient à Steven Spike. D'accord. Consultant pour une société qui s'appelle... bizconsult.la, un truc sur le web. C'est pas un méchant nom, Buffy, ça? Spike, si, mais c'est juste Spike, on connaît pas. Appartient à Robert Miller, aussi consultant pour la même entreprise. T'as les adresses des deux. Tu sais que Steven Spike est en concubinage avec une certaine Lizzie Shadaz et Robert Miller est célibataire. Voilà. Mm-hmm. Voilà. Ils ont des heures de boulot de. Tu regardes sur internet pour le coup, tu te renseignes rapidement. C'est ouvert en journée et après c'est un site internet donc. Mais t'as l'adresse sur Downtown de la société. Qui est dans le même bâtiment, mais à l'étage au-dessus. Ça ne m'étonne pas. C'est peu étonnant. Ouais. Vu qu'il est 10h, de toute façon, il est même genre 10h30. Je peux pas aller faire ce que je voulais faire. Toi aussi, tu voulais te soulager? Non. Non, je parle d'aller... Mais faire du porte-à-porte dans le bâtiment en face. Hein ? Dites-moi ce que vous voulez faire. Ouais, mais là de toute façon je pense qu'on va aller... Moi mon enquête est bloquée tant que je suis pas en journée en fait. En même temps tu peux faire une partie en journée hein, où tu peux... Et tu peux aller voir les gens aussi hein. C'est ça ouais, c'est le seul truc que je peux faire hein. Bref. On va au chaudron ? Ouais, ça pourrait être sympa. C'est la dernière piste qu'on a, hein. Aller voir le propriétaire Taram du chaudron. Voilà. Ça reste ça, hein. Voilà. C'est certainement un émigré du Middle East. 30 secondes, je coupe 2 secondes.
Et son pote, ça doit s'appeler Adam en fait. L'autre serveur. Le Taramadan. Il fallait pas lui poser la question. Eh oui, en même temps tu demandes. Moi je réponds, hein, voilà. Après t'as mal à ton âme, c'est normal. Bon alors, Obi, sur les blagues et les vannes pourries, ça fait deux partout. Désolé. Balle au centre. Bah oui, mais bon. Bref. Après, qu'est-ce qui pourrait faire flipper le cave et de pas le faire prendre l'avion? Même s'il a dit que l'autre il partait aux Seychelles, à moins qu'il donne l'heure, le numéro de vol et tout, il serait assez con pour le faire, mais bon. Oui, je pense. Si son fameux assassin est un flic, il a beau être con, il est quand même pas complètement débile. Hein. Alors. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est. Comment le mec, il a. Tu prends ton camion, t'amènes des mecs qui rentrent dans le bâtiment. Ils s'arrêtent, les mecs sortent, flinguent le vigile. Je pense que là, le mec se dit « Ah, c'est des mecs sérieux, je vais peut-être me casser. » Il est parti avant qu'il flingue le vigile, ah ouais, il les a déposés, il s'est cassé tout de suite, donc il n'a pas vu que le vigile se faisait descendre. Dans la vidéo, il est parti quand le vigile se fait descendre. Ouais, à mon avis, avant ou après, ou en même temps? En même temps. Non, avant. Attends, pour moi. J'ai pas entendu la question. Il s'est barré avant que le vigile se fasse. Après, c'est de l'ordre de la dizaine de secondes. Hein. C'est pas. Mais bon, moi, j'ai marre. 10 secondes plus tard, il y a un coup de feu, quoi. Ouais. Parce que le mec se barre. Bon, ok. Ta vie, quoi. Il change de véhicule. Il change de véhicule. Il laisse la voiture en planque où il y a des explosifs à l'intérieur. Explosifs qui est là, a priori, pour piéger la voiture. Ouais, mais là, je pense que c'est plutôt... Je pense qu'en fait, il s'est barré et que le tueur a dû piéger la bagnole au cas où l'autre con reviendrait, quoi. Parce que, franchement, José, il a rien d'un expert en explosifs. Hein. Je dirais même que... Non, mais il c'est d'accord. Plus proche du pape que de l'expert en explosifs. Je pense que... Ou alors le... Enfin, c'est pas lui qui a fait ça, c'est certain. Ouais, c'est... Ça, j'en suis certain aussi. Il y a deux possibilités, mais... c'est où la bagnole a été piégée avant, et ils ont laissé ça... sa commande, en fait, c'était... Tu vous déposes là, tu prends la bagnole, tu vas en plein milieu du No Man's Land, tu la laisses là et tu te casses. Il l'a laissé là, il s'est cassé, ce qui serait assez intelligent de sa part, trop intelligent d'ailleurs, et l'autre a piégé la bagnole en espérant qu'il revienne et ça lui fasse péter à la gueule. Moi je pense que tout simplement, il est pas parti parce qu'il a pas été payé. Oui, aussi, ouais. Donc il pouvait pas rembourser son pote. Bah oui, puisque ouais, mais le souci c'est qu'il est pas con, il a vu forcément les informations. C'est passé, il dépose en soirée le truc, le lendemain matin, ça passe sur tous les networks. Donc il a bien compris que il y a 4 cadavres, alors qu'il en a déposé 5, il y en a un qui... Enfin, bon, bref. Ouais, bref, on comprend. Et de ce côté-là, même s'il n'est pas payé, ça peut être quand même une bonne raison. Mais s'il est pas pillé, il se doute bien qu'il y a anguille sous roche quand même. Comme je dis, il est con, non, mais il est pas débile. De toute façon, de faire des suppositions, on n'avancera pas. Actuellement. Voilà. Je suis d'accord avec toi, mais il nous reste plus que le profilage là. Hein, parce que, à part ça. Oui, voilà. Mais de toute façon, il y a quelqu'un qui peut aller voir. Comment aller voir au chaudron. Ouais, moi, je me suis porté volontaire, pas de soucis. Et quelqu'un d'autre qui peut aussi. Réessayer une dernière fois, même si ça va pas servir à grand chose, de travailler encore sa gonzesse en lui disant il avait pris qu'un seul billet. C'est pas idiot. C'est pas idiot, mais. C'est pas idiot. Moi j'ai déjà secoué la gonzesse, hein, donc elle est déjà bien.
Elle est je suis retourné la voir et je lui ai bien fait comprendre que l'autre, il risquait d'y passer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Daniel de nous de demander le relevé téléphonique de la gonzesse et de William Perry. Ça serait bien que ce soit une autre gonzesse qui aille voir la nana, justement. Hein. Lynn, je te fais pas... mais bon, pour que tu lui fasses passer l'information aussi. Là, ça passerait peut-être mieux entre gonzesses. Hein, Ouais, mais c'est mal me connaître. Hein. Mais, Ah ouais, mais bon, l'air de dire, te regarde. Ah, mais tous les autres mecs, si tu veux, mon perso, là, il est sociable comme une porte de prison. Hein. Enfin, voilà, c'est... C'est-à-dire qu'en empathie, rien à foutre, voilà, hein, c'est... Même moi, ouais, je suis plus sociable. T'as autant d'empathie que moi, j'ai d'éducation, quoi. Ouais, je te comprends. Ah, ouais. Mais... L'idée, c'est que je vous défonce tous en intimidation, en fait, donc... Pas sûr. Bon, bah, je veux bien retourner... Alors, je veux bien proposer de faire le chaudron d'abord et de retourner voir la nana après. Alors, ouais. Je suis en train de vérifier un truc... Si je suis majeur, j'ai le droit d'aller dans un bar et de consommer de l'alcool. T'es sûr ? Ouais. Bon, du coup, ça veut dire qu'on se sépare en trois, quoi. Apparemment, ça a l'air d'être parti pour. Je vais pas beaucoup jouer les trucs. Donc, déjà, quelqu'un me fait un jet pour de bureaucratie pour le père d'Annie. Vas-y, dis-moi le CG et puis je le fais. Alors, ça va être éducation, éducation, donc 4 éducation, 4 bureaucratie, bureaucratie 8. 8. Oh putain. Il a un point d'ancienneté. Ouais, il en a un. Bon, il va dépenser, je pense. Ah non, ça va. Ah. Ouais, ça me va. Il va obtenir le relevé téléphonique. Arrive. Par contre, le relevé, ça va mettre un petit temps à arriver, donc il va passer quelques heures dessus. Ça marche. Ok. Ça va l'occuper un moment. Ok, le suivant, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait quoi ? Bah, le suivant, il va au chaudron. Ok. Attends, je fais dans l'ordre. Ouais. Okay, qu'est-ce que tu vas faire au chaudron ? On va au chaudron. Ah, on va tous les deux au chaudron. Voilà. Ouais. Dans ce cas, on va tous les deux au chaudron. Tous les trois, on y va avec Lynn et ensuite on ira avec. Oui. Tous les trois au chaudron. Okay, puis... Donc on va tous les trois au chaudron. Au chaudron, de toute façon, on n'est pas en uniforme là, donc. Ah bah ça, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Vous avez repris votre service, donc c'est vous qui me dites. Hein, oui, si vous êtes en uniforme, mais ou pas. On a droit de. Non, mais je serais plutôt en civil avec. Avec, ouais, bien, enfin, habillé fait, un peu ouais. Chaudement, ouais, et... ouais, civil, et, avec ma bagnole. Voilà, et un peu protégé, quoi, mais avec, limite, le badge qu'on peut mettre sous le t-shirt pour le cacher, ou le sortir qu'on en a besoin. Genre de truc. Mais par contre, on va juste se faire passer pour les civils, on va boire un coup, et puis on va demander au patron si il a vu José, parce que, justement, on le recherche, c'est un pote à nous. Ok. Ouais, on s'inquiète un peu, quoi. Ouais, on le recherche, on est trois... Non, alors. Ah, vous donc, aussi vous le recherchez comme les mecs avec. Des justement, ça peut nous donner une indication donc. Non, mais dans ce cas-là, vous me laissez parler. Moi, vous me dites un qui parle. Non, bah, vas-y. Vous me laissez parler parce que théoriquement, je connais des trucs qui pourraient être liés aux arrêts aéroports puisque j'ai une licence de pilote. Arrêt au port de Nice. Aéroport. Voilà. Bon, bref. Allez, vas-y, on te laissera mener le truc. Ouais. Vas-y, dis-moi. Alors. Moi. Ok, merci. Donc, Oh, ça sera un double, s'il vous plaît. Mm-hmm. Un double de quoi ? Bah, un double scotch. Ok. Il te sert un double scotch. Je note un mescal tu bois en service. Bien que je me fasse passer pour un vrai client. Hein. Donc, moi je le. Mm-hmm. Excusez-moi, vous connaîtriez pas un José. Quel est son nom en fait ? Renard. José Renard ? José Renard. Il te pose la question, il te décrit à peu près le José en fait. Ouais. Ce gars-là,
Ouais, c'est un habitué. Parce qu'en fait, je le cherche, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas de nouvelles, et puis du coup... Vous êtes qui Bah, je suis un de ses anciens collègues, Maître garde... Ouais. Oui, je sais, il s'est fait virer pour vol, bon... Mais tu voulais quoi, José? Bon, bah, rien, c'est juste que... Que du bien. Ouais, c'est juste que je m'inquiète pour lui, parce que ça fait un bon moment qu'il a pas donné de nouvelles, hein. Bah, écoutez, moi, ça quoi, c'est quoi, 3, 4 jours que je l'ai pas vu? Ouais, peut-être même 5. Il est pas passé. Et l'affaire, elle a commencé il y a 3 jours, c'est ça, hein. Non. Il est pas passé depuis, oh, c'est bien dommage. Bon, si je vous donne mon numéro, vous pourrez m'appeler ou lui donner pour qu'il me recontacte. Ouais. Bon. Je crois que vous étiez un de ses amis. Bah oui, mais il a pas. J'ai changé récemment de numéro et donc du coup, enfin, parce que j'ai eu une offre avec un forfait un peu plus intéressant et donc du coup j'ai changé de numéro. Allez, là je te dis. Alors. On va le faire en coup. Ouais, charme à la limite. Charme, discrétion. Oh putain, c'est impossible que ça passe. Ah, t'as pas l'éloquence donc. Je sais pas pourquoi, mais tu prépares un carrefour. Ouais, je sais. Et ça se voit. Oui, je sais, ça me gêne pas que vous voyez. Mais je suis en train de préparer un carrefour en effet. Donc, une réussite. Parce que Auchan c'est tout pourri. Ouais, une réussite, ça me va. Ouais, je vous contracterai quoi. Bon bah, je note sur un papier et puis je te donne le numéro. Ouais. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mafieux et pas de go fast. Et donc du coup, faut qu'on positive, c'est ça? Ouais. Oh putain. Je peux juste dire que le mec qui a tracé les signalisations au sol, il était complètement bourré, ou alors il avait sniffé une mine de schnouf, mais alors... d'enfer. Mmh. Surtout qu'il s'est pas compté, hein, mais parce qu'il a fait 3 voies d'un côté. Ouais, je sais, j'ai vu. Je sais, et les bus, il y a les bus de l'autre côté. Ah, peut-être. Ouais, voilà, on va dire ça. Histoire de trouver une excuse pour grave. En fait, les vélos plutôt, les vélos. Hein. Les vélos, oui, c'est les vélos. Non, et du passage, coup. Oui. Pour les conneries qui sortent, s'il te plaît, tire-moi une balle dans le genou, je sais pas. Bref. Non, je vais pas le faire parce que sinon t'auras plus de genoux d'ici la séance. Bon, du coup, on a des infos ou pas là? Rien. Rien du tout. Nada. Qui wish. Je vous signale qu'on pourrait retourner voir sa petite amie juste pour dire que. Ouais. Le fait qu'il ait se barré avec elle, c'était du pipeau. Et c'est pour ça que, en fait, moi, j'aurais bien voulu que tu aies un papier de la transaction, justement, du billet. Ouais, on va compter sur ma sincérité. Ouais. Voilà. Peut-être plus sur la mienne, d'ailleurs. Donc, elle est toujours à l'hosto. Hein. Bon, on va repasser la voir, quand même. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Et c'est bien, juste comme ça, à l'accueil de l'hosto, est-ce que par hasard elle a reçu des visites? Oui. Je vois pas con. Tu vous avais dit qu'elle devait être protégée ou pas? Il y a un flic avec elle normalement. Hein. Oui, bah oui. Non, il y a personne qui a été la visiter. Alors maintenant, le flic, on va lui mettre une chemise hawaïenne et un short et des pantoufles. D'accord? Et j'y crois pas du tout à celle-là. Ouais, mais bon, ça marcherait. La chemise hawaïenne, ça passe toujours discret. On va quand même passer la voir, hein. On va prendre de ses nouvelles. Ouais. On sait où elle habite, elle. Ouais, vous avez son adresse. Si. Elle a une voiture à son nom? Elle a une voiture. Et cette voiture, par hasard, elle aurait pas été vue sur la frontière canadienne il y a quelques heures. Il faudra que tu te renseignes, mais c'est jamais.
Oui, je vais faire une petite recherche. Je délègue à Daniel. Et on va la voir, on va lui demander si elle a eu un contact avec José ou pas. Non, toujours pas. Je vous ai dit, je vous appellerai. Hein, si je... Regarde Lynn. L'air de dire, tu lui dis ou c'est moi qui lui dis? Ah, en fait, Vous êtes sûr que comme ça, si le mec il l'appelle, elle va juste l'engueuler. Non, bah, elle va peut-être le livrer cette fois. Juste une question, vous nous avez bien dit que une fois que José avait dit qu'il avait terminé son coup, il vous emmenait avec lui aux Seychelles. Il a dit qu'on devait partir, alors ça pouvait être aux Seychelles, après il m'a dit aussi à Hawaï, enfin bon, ça dépend. Et on partirait bientôt. Hein. Bah en fait, c'est là où j'ai un petit souci en fait sur le truc. Ça joue avec Colombo là. C'est parce que, en effet, en regardant bien, on a bien vu qu'il avait pris un billet pour aller aux Seychelles à partir de l'Axe, mais le souci c'est que c'était un billet simple. Une personne. Il voulait vous y envoyer tout. Tu me fais un jet pour qu'elle te croie quand même, parce que bon, faut qu'elle réussisse à te croire. Alors, ça va être. C'est pas de la. Ouais, je sais pas si je peux faire face à ça en rhétorique. On est le. Ouais. Sur rhétorique à la limite. Charme rhétorique. Charme rhétorique, c'est mieux, merci. Ouh. J'ai cru que t'allais me faire éducation rhétorique. Non, parce que charme rhétorique, c'est son truc, à Guillermo. Eh merde. Écoute, alors, ma voix, tu n'entends que ma voix. C'est à peu près ça. Au moins un succès. Elle a pas l'air de te croire tant que ça, elle a l'air juste... sceptique en fait. Ah ben, on allait, c'est un certain William Perry, un de ses amis de. Qui nous a confié. Pourtant, il a l'air d'être très content avec lui. C'est sûrement lui qui a dû lui dire de voler des trucs, c'est de sa faute, je suis sûr qu'il s'est fait virer. À cause de William. Oui, parce qu'il est toujours en train de. À chaque fois qu'on le voit, il dit que c'est pas grave, c'était pas grave. Qui expliquerait voler, pourquoi William n'est pas serein. Oh putain. Oh le plus mal de là. Oh la vache. Le quatrième mur vient de voler en éclat. Alors. Ouais, bon, grosso modo, c'est pas gagné. Ok, bon, bah écoute... à force de se renvoyer tout le temps la balle, c'est chiant, quoi, bordel. Remettez-vous bien, et si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous prévenir. Il y a quand même de la vie de votre ami. Oui, mais je vous ai dit que je vous préviens dès que je peux. J'ai des infos. Ok. Bon. Écoutez, bonne journée. Enfin, bonne nuit, plutôt. Vous savez, vous pouvez passer en journée. Oui, mais on ne travaille pas la journée. Pas en ce moment, on est plutôt des créatures de la nuit en fait. Là. Batman. Ok. Il nous reste plus qu'à essayer de voir du côté de nos indiques, mais alors là, franchement, ouais. Je pense que la piste de José commence à refroidir, mais alors très fortement. Ouais, même quand je l'ai. Faire froidir. Ouais, c'est pas loin d'être ça. C'est-à-dire que moi, je parierais pas $2 dessus. Hein. Bon, Guillermo. Non plus. Hein, Guillermo, pendant que tu vois avec tes indics, moi, je veux un profil complet sur William Perry. Mais quand je dis complet, sa date de naissance, son passé. À toutes les voitures, on a un souci. Alors, je cherche la. Je me trompe pas, donc c'est un 1057 de base. Et. Oh putain! Et exactement. C'est quoi, 1057? Non. Si, t'as dit. Ah mince, alors je dois pas regarder au bon endroit, attends. Non, c'est. Tac, attends. Je cherche parce que je veux pas dire une connerie. Alors déjà, c'est un 1018, ça clairement.
Urgent. Tout quoi, c'est une urgence. Donc on va répondre avec un 10-40. Oui, clairement, ça, oui, c'est... Oui, c'est le clairement. Seul problème, c'est qu'on n'a pas été au casse pour changer de voiture. Oui, mais vous avez toujours vos trucs sur trucs. Donc c'est un 10-31, et je regarde s'il y a un truc qui correspond. Crime en cours. Carrément. Ouais, Bah c'est un cambriolage, un truc comme ça, quoi. Bah, ça peut être aussi un meurtre. Un viol. Ah, voilà. Alors, descriptif de crime. Il y a un descriptif de crime. Voilà. C'est un crime. Donc un 10-31 avec le 10-31. Et attends, toc toc tac. C'est un accident de la route, quoi. Hein, d'où le carrefour, peut-être. Non mais c'est bon, arrête. Moi, je sais très bien ce qu'il y a. Ah. Je cherche. Sniper. Ah ouais. Ouais, quand même. Un 51, ah, 50. Bah voilà, le VLA. Oui, donc c'est bien le 414S. Le 466, excuse-moi. 466. Possession de matériel de cambriolage. Non, 966. Putain, j'ai du mal. Ah oui. 966. Sniper ? Ah oui, c'est Sniper. Putain, c'est... Ouais, d'accord, cool. Et ah donc, oui, c'est à 3 pâtés de maison de là où vous êtes. Et je dévoile la carte pour vous. Hop, c'est vous, tac. Tac. Hop. Tadam. Tadam. Bonne chance. Putain, bordel de Dieu. Allez, vous arrivez par où vous voulez et vous démerdez avec ça. Et il est où le sniper? C'est ça. Justement, c'est le problème. Alors, si tu veux aider les civils, t'arrives avec gyrophare et sirène hurlante parce que t'es certain que là tu vas être pris pour cible. Quel gyrophare, quelle sirène. T'es dans une voiture. Ma bagnole de merde. Il est dans sa voiture à lui. Hein. Ah ouais, on est mal barré. Et aussi blindé que ton trou du cul. Voilà, c'est voilà. Vraiment. T'as aucune idée du blindage de mon trou. Je veux pas savoir. Bon, alors, ben, ok. Alors moi je dirais David d'arriver par le bas ici là. Ouais. Oui, par contre y arriver on vite, va, vous inquiétez on va pas. Peut-être se mêler dans une ruelle histoire de sortir le plus vite possible. Ok, placez-vous s'il vous plaît sur le plan. Est-ce que j'arrive à me placer moi? Attends, est-ce que je suis sorti? Et un pion à moi? Du coup, on a. Il faut que tu cliques sur ton joueur et que tu rajoutes. On a nos gilets c'est quand bon, même, hein? C'est bon, c'est bon. Je dégaine. Si vous étiez en. Vous êtes pas en. En uniforme, hein, non? En uniforme, non, clairement pas. Sauf si on les a mis dans le coffre. Bah, c'est ce que j'avais et pensé. Et bah, c'est là où tu vas voir si t'as du karma, du bon karma, du mauvais karma. Je vous laisse à votre discrétion, à votre roleplay pour le coup. Le fait d'avoir mis vos uniformes. Ah le pour moi, oui, non, mais t'as je deux suis persos en civil, qui sont, pas de... ils sont sur la carte. Hmm. Ah, c'est parce deux persos sur la carte. Ouais, j'en ai retiré. Ok. Il y a deux de Nice. Tant que ouais. Personne voit qu'il y en a deux en même temps, c'est bon, tout va bien. Oui. Alors par contre, quand on se met là, qu'est-ce qu'on voit exactement Ouais, bah, l'idée c'est... Là, ce que tu vois, c'est... Pof, tiens, celui qui est passé en gris vient de se faire abattre. Lequel qui vient de passer en gris? Okay. Le civil... Un civil. Alors, les je deux, rappelle, en noir, ils sont indemnes. En rose, en rouge, ils sont légèrement blessés. En rouge, ils sont blessés. En gris, ils sont canés. Ok, donc ah je ouais, pense... Quand même. Visiblement, je pense que le tireur doit être de notre côté. Ouais, parce que sinon, je vois pas comment il réussirait à faire le truc. Ouais, il y a plus de chances. Du coup, je vais aller là. Oui, parce que déjà, lui, il est blessé. Ils se sont mis allongés sous une... les deux ou Ellen, ces deux civils qui sont allongés contre la voiture. D'accord. Ok. Dans quel état est la victime? Elle est blessée au bras et pisse le sang. Bon, elle me fait un garrot. Le mec est encore en vie. Monsieur, savez où est le tireur? Non, 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 je bouge plus. Il apparaît, il touche pas d'ici, je bouge pas moi. Guillermo, là t'es un peu en mode youhou, tire-moi dessus. Non, mais je vais mettre juste ici en fait.
Par contre... Ah, il y a Cib qui m'appelle. Je vais répondre. Ouais, je vais regarder le, je vais regarder la façade hein, du truc avec arme à la main. Et, idéalement, je pense qu'il est en hauteur, donc il est près des toits ou quelque chose comme ça, quoi. Il y a des chances. Je pense que ça serait pas idiot qu'on rentre très rapidement dans un des bâtiments. Ouais, mais lequel ? Bah, le premier. Celui sur lequel on est accolé, en fait. Parce que je pense qu'il y a toutes les chances qu'il soit là. Soit là, soit dans le bâtiment qui est au nord. Qui est juste après, quoi. Juste au-dessus. Et bon, alors, par contre, il faut savoir que le sniper, son seul avantage, c'est qu'il est planqué et qu'il tire sans que tu saches où il est. Par contre, si t'es au contact avec lui, c'est une grosse merde. Hein. Ouais. Je le sais très bien. Ou alors, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la chèvre. Youpi, quelqu'un qui sait courir, c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça? Mais en fait, c'est ça le problème. C'est qu'est-ce qui est... Enfin, on va dire... Je vais poser la question autrement. Chez vous, est en pleine forme physique. Je sais pas, au hasard, hein, Lynn. Lynn sait très bien courir. Mais parce que moi j'ai pas mal dans réflexes, ouais. Donc. Bon, voilà. Faites quoi? Eh ben. Putain, je suis en train de dire que c'est pas moi qui est en train de dire ça, mais en fait je le dis quand même. Il faudrait vraiment repérer d'où il vient. Donc ce que je peux faire, c'est slalomer pour essayer de me planquer quelque part. Non, 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 tu me laisses faire. Ah, question, est-ce qu'on entend des coups de feu ou est-ce qu'on entend rien? Ah oui, mais ça résonne dans toute la rue. Ouais, d'accord, donc il y a moyen de voir d'où il tire, le connard. Est-ce qu'on voit un flash lumineux? Parce que du coup... Il fait nuit. Eh ben non. Ben, justement. Eh ben non. Bon alors, je vais vous dire le plan. Enfin, vous faites un jet de perception sur le prochain tir, en fait, hein, L'idée, c'est que je parte de là et que j'aille me planquer là. Guillermo, tu me laisses faire. Je sais pas où à où, en fait, hein, parce que... Là, bon, en fait, je suis là et je vais traverser en... En courant. Non, Guillermo, tu laisses tomber, tu me laisses faire. Bah, fais-le. Oh putain, il y a Cramp qui va se faire un putain de jet, là. Oh là là. Non, mais Guillermo... Je laisse faire. Et du coup, moi je regarde toute la façade, principalement toute la façade du bâtiment sur lequel je suis à côté, et où le bâtiment un peu après, quoi. Enfin, qui est au nord, enfin, au-dessus de la carte, quoi. Oui, bah tu regardes les bâtiments, donc au prochain tir, tu me fais un jet de perception, tu peux me le faire à l'avance hein, si tu veux. Ouais. Perception sens de flic. Ah, c'est pas perception tout court? Non, pour le coup. Oui. Bon, il y a quelqu'un qui veut traverser... Traverse jusque là et je me planque bien comme il faut. Le truc, c'est qu'il y a un peu de latence, donc je vois pas encore bouger les gens. Là, je me déplace là. Ok. Et limite, je me jette... Ouf. Où ça va piquer, ça? Ça va piquer. Oh, sa mère, ça va piquer, ça. Non, mais alors, ce que je voulais dire, c'est que je me jette... Limite, t'as plus de genoux, là. Je me jette... Oui. Attends, tu permets? Oui, tu te jettes derrière la bagnole. Mais je me jette style, tu sais... Oui, bah, tu te jettes, pied en avant, quoi. Oui, non, bon. Mais dans tous les cas, tu passes dans le champ de tir, quoi. Ouais. Et, bah, ouais, tu bouges, hein. Y'a personne qui bouge dans la rue, hein, à part toi, hein, donc... Donc 5C7, enfin carrure athlétisme. Attends, je suis en train de checker le truc. Alors, non, en fait, non, la bonne nouvelle, c'est que t'as attiré son attention. Oui, mais si, je fais quand même mon athlétisme pour courir. Non, tu réussis, y a pas de problème pour courir et te balancer. C'est savoir, en fait, si lui il te tire dessus, et clairement, il a réussi son jet. Hein. C'est... Et clairement, je pars du principe que là, t'es pas en planqué, ni prudent, ni normal, ni agressif, mais en ultra-violent. Et de base, t'es en rapide, t'essaies d'aller le plus vite possible, quoi. Ouais. Clairement, normalement, c'est moins 4 dés de défense, hein. Donc autant dire, t'es exposé. Bah après, il va vite, mais du coup, est-ce que la vitesse, c'est quand même chaud à aligner pour un sniper, quand même. Tu bats pas la balle, hein. Le mec, il était en train de tirer sur les mecs où t'allais, en fait. Hein. Il a tué 3 gars là où t'allais, donc il était à ce point-là. C'est pour ça que je suis en train juste de checker. Initiative, ouais, c'est d'accord. Donc, jusque-là, je vais faire direct les dégâts. Hein.
Ouais, bah je suis mort. Non, 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 non. Ouais, un cop c'est résistant, mais. Mais t'es par terre, je pense. Ouais. Bon, bah, 11-8. déjà, on va faire ça. C'est combien? C'est 1 des 10. 3. Donc 3, ça c'est va. Dans l'abdomen. Aïe. Ah, ça aurait peut-être mieux dans la jambe quand même, mais bon. L'intérêt, c'est que tu peux encore courir quand t'as un instinct troué. Hein. Ah bah, alors que voilà, si t'as le genou explosé, tu peux hein, pour le coup. Ouais. Ah bah, tir de couverture, quoi, hein, mais c'est tout. Hein. Alors toi, tu tires et moi, j'achète la couverture. J'ai peut-être vu le gars, hein. J'ai peut-être vu le gars, donc je pourrais lui tirer dessus, mais... Alors, ouais, toi, mais... Tac. Je pense qu'on va faire une perception derrière nous pour voir si on a repéré où était le tireur. Bon, moi je l'ai fait, j'ai fait deux succès. Ouh, ça pique. Alors. Wedge, Wedge, bah, Wedge, Wedge. Après, Wedge a quand même beaucoup de points de vie donc ça va, il va tenir mais. Voilà, ouais. Ça, Parce que si ça avait été moi, je serais dans la merde là. Hein. Mais. Alors. C'est simple, hein, ça fait. Attends, je suis en train de vérifier. Donc, PU plus 6, moins protection, t'en as pas, plus le modificateur 1 des 6, et donc ça fait 19 plus 1 des 6. 1, s'il te plaît. 6. Non, c'est 6. C'est qu'un canard. 25. Donc c'est net 25 points de dégâts, là. Hein, ouais. De base, t'as 40, t'as 49, si je me souviens. 43. Alors, l'abdomen, c'est pas le torse. Hein. Je vais aussi faire ton jet de l'encaissement, pour le coup. Donc, pour encaisser, donc... Alors, l'encaissement, c'est... Lynn, j'avais parié 5$ qu'elle allait se faire toucher, donc tu me les dois. L'encaissement, 6 carrures au sang-froid... F1 plus modificateur de localisation. En gros, c'est... parce que là j'ai vraiment du mal avec ça. Chaque personnage doit toucher doit faire un jet de carrure ou de sang-froid. Donc c'est toi qui choisis soit carrure soit sang-froid déjà. Carrure ? Ok. Tu dois obtenir un nombre de réussites supérieur ou égal à la force d'arrêt de l'arme. Donc c'est sur 6, donc carrure sur 6, vas-y. Et je vais te donner la force d'arrêt de l'arme. C'est assez haut pour un sniper. Ouais, ouais, je pense aussi. Non, laisse tomber, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Force d'arrêt, 1. Oh putain! Donc, on se met un succès. Donc, en gros, la balle t'a traversé sans t'assommer en fait, hein, au passage. Mais bon, t'as traversé hein, vu les dégâts que tu t'es pris. À mon avis, tu vas pas chier rapidement. Guillermo, je parle du principe putain, au-dessus de 15 points de dégâts sur une attaque, tu bien bien défoncé. Hein, tu vas avoir besoin de soi assez rapide. Alors la question, c'est est-ce que moi j'ai vu le tireur du coup avec mes deux succès. Nous, ouais. Parce que nous on oui. Regarde forcément. T'as fait ton jet, Guillermo? Non, mais je le fais. En quoi? En perception, instant flic, un truc comme ça? Pareil. Ouais, pareil que... Eh ben non, j'ai rien vu. Ok. Lynn, t'as repéré la fenêtre d'où ça tire. Dans le bâtiment qui est okay. Juste là où vous êtes, à droite. Ok, bah je sens, je rentre. Et je dis... tu t'as repéré la fenêtre. Et je dis à Guillermo, 5e, on rentre dans ce bâtiment, on y va. Et qu'est-ce qu'on fait pour... Ben je sais pas, moi j'y vais en tout cas. Putain. D52. 11-8 et 10-52, flic à terre, besoin d'une ambulance urgent. Et je vais suivre. Et renfort aussi, hein, mais. Je vais suivre Et okay. Je dis à la radio aussi le nom du 5e étage et l'adresse du bâtiment, à la limite quoi. Ok. Évidemment, je. Point de compression sur mon abdomen. Ouais, obligé. Vas-y, tu me fais un jet de. Éducation, premier soin, on va voir si t'arrives à te... Putain, éducation, premier soin, alors si ça m'arrive à moi, je suis mort. Moi ça va. Moi ça va, je pourrais y arriver, mais bon. Ah bah non. Ah bah non.
Adieu, monde cruel, que j'aimais tant. Je crois qu'il va falloir dire à quelqu'un d'autre de prendre l'enquête que j'ai en cours sur le suicidé. Non, hein, c'est pas fini, hein. T'es pas mort, oh, c'est bon. Dans un sale état, t'es pas mort. Attends, et moi je suis sûr que le PNJ à côté de toi, c'est un docteur. Voilà, urgentiste, le mec, il a fait 3 tours en Irak, c'est bon quoi. Bon, les deux autres, vous arrivez au niveau de la... De là où devrait être la fenêtre, c'est-à-dire c'est des habitations, donc c'est comment ça s'appelle, l'appartement. Alors on ne pousse pas, on communique par signe. Déjà, oui. Parce que... Ah ben, hein. Bah, ça va être simple, hein, ça va être une balle dans la porte pour ouvrir, et puis on va ouvrir. Hein. ça va être clair. Pour finir. La porte est, est déjà fracturée. D'accord, bon, bah alors... Bon, alors, je fais signe. Et vous entendez un coup de feu. Qui vient bien de la pièce. Oui. Qui est devant nous. Bon bah on ouvre, on tire à volonté, hein. Je vais non, pas non, m'emmerder. Non, on se part comme un malade. On va y aller doucement, il faut le surprendre. Oui, bah si tu veux, mais le problème c'est que si on y va doucement, il aura le temps d'en placer encore deux. Bam, hein. Ah putain, merde. Ah dépêchez-vous, hein, moi je suis... Bon, allez, on fait à la ligne, fonce. Bah oui, je rentre, hein. Ok, police. Le mec, il... Le mec, il se retourne, l'arme à la main. Il est en train de se retourner, l'arme à la main. Bah, le truc, c'est que je pense qu'on l'a par surprise, et donc on va le buter avant qu'il tire. Lâche ce flingue. S'il fait mine de l'armer, je tire dessus. Ah, mais en fait, il est en train de le diriger vers vous. C'est pour ça que je... Ah non, mais moi, la balle, elle est déjà partie, là. Je suis désolé, mais la balle, elle est partie. Vas-y, lâche ta balle. Y'a pas moyen, hein. Oh là. Alors, du coup... Donc, alerte ultra-violent, je suppose. Ce qui me donne. Plus 2 dés d'action physique, moins 2 de défense. Donc plus 2 dés sur ton jet. Ah oui, oh, ça devrait aller alors. Du coup, alors c'est coordination. 4. Coordination ou réflexe ? Coordination ou réflexe ? Coordination. Pou 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 ! Oh putain. Headshot. C'est pas fini. Il y a un dé de plus parce que il est à moins de 2 mètres, le gars. Ah. Donc on a plus 2 dés, plus un dé de plus. Putain, ouais. Ça fait pas mal ça. Donc au lieu de 3 et 6, ça me fait 6 et 6. Allez, vas-y. Bon, le dernier ne marche pas. Mais... Ok. Alors... Eh ben, il va être en sale état, lui aussi. Au pire, moi-même. J'ai l'impression que Lynn vient de lui shooter dans la mâchoire, tandis que je lui ai shooté dans le genou. Là. On a pas fait encore la localisation, mais... Alors, ensuite, savoir où l'attaque a touché, mais attends. Ah voilà, c'est ça, c'est le nombre de réussites nécessaires. Il est en portée courte, donc c'est une réussite nécessaire, de base. Ouais, sachant bon. Que l'attitude de la cible, autant dire que... Il est en ultra violent, le gars. Donc il a encore moins de dés, donc en gros c'est bon. Il suffisait de faire une seule réussite pour le toucher. Donc vous avez fait tous les deux des réussites, donc lâchez vos dés de localisation d'abord. Un dé quoi ? Un dé 10. Comme on a dit, on applique la règle qu'on avait dit au début, c'est-à-dire que si vous faites joli. Vous pouvez modifier d'un 1, 2 réussites. Tu fais un headshot, Guillermo. 4 réussites, vous pouvez modifier de 2. Ouais. Ouais, mais là, c'est Clon qui a fait un headshot. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais. Lynn, est-ce que tu modifies ton 6 qui est dans le torse ? Ouais. Tu peux monter de 2, c'est-à-dire soit aller dans le bras, soit redescendre sur l'abdomen. Sachant que le torse fait le plus de dégâts sur les 3. Le torse, à mon avis, il va être refroidi tout de suite. Bon bah lâchez vos points de... Bon, force d'arrêt je vais pas le faire parce que je pense que vu les dégâts que vous allez faire... Allez lâchez vos attaques. Donc la puissance de l'arme, D6, plus le modificateur de localisation et fois le nombre de D6. Donc c'est-à-dire, Lynn, tu me lances aussi 2 D6 en plus en dégâts. Que et le compact uni, il est à combien de D6, lui? 3. Le compact 3. C'est vraiment, je vous ai tout donné pour pas avoir à retourner. C'est 3 plus 3 en fait. Oui, non, c'est 3, t'as raison. PU, c'est 3. Ça. Ouais, PU. Oui. Ok, 3. D'accord, donc c'est 3. Et tu relances en plus 3D6 pour Guillermo. Donc ça fait 6 et 6 en tout. Voilà, ouais. Comme il a pas de protection, le gars.
T'as vraiment fait un jet de merde quand même. Ouais, clairement. Oh putain. Oh, putain. Je sais. Bah, j'ai fait 17 quand même. Ah ouais, 17 plus 13, ouais, le mec il est séché. Mais moi je résiste pas à ça. Bon, si, tu résistes à ça, mais plus, pas dans ton état actuel. C'est ça. Je préviens les anges que le sniper est HS et que on retourne s'occuper de notre collègue qui est à terre. C'est une belle jambe. Pas touché à la jambe. C'est bon, il rit. On descendait en bas, il y a les ambulances qui sont déjà là, qui sont en train de prendre. Guillermo, joli tir, mais c'est quand même toujours moi headshot. De toute façon, Guillermo, c'est Gob hein, maintenant. Hein. Ouais, tout à fait. Mais Gob, je m'en fous. Putain, moi, je suis assez malade de voir que notre collègue s'est fait sécher lui aussi parce que. Ah bah, de toute façon, moi, je vais y retourner aussi dès qu'on a fini, quoi. Mais. Bon, par contre, si les autres flics ou si le SWAT arrive, je leur dis que c'est en haut que ça se passe et que de toute façon, là... Il n'y a plus grand-chose à en tirer. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est le légiste qui va le faire parler, parce que... Dans tous les cas, bah, Denis, il va être envoyé à l'hôpital, là, pour la journée. Enfin, pour une partie de la nuit. J'ai aucun doute. Ah ouais, Et il va passer sur le... Tu vas être bloqué à l'hôpital pour le reste de la séance. Bon, de toute façon, il est 23h. En même temps, je pense qu'on peut appeler ça de la sélection naturelle. Hein. Et non, mais à la limite, comme on a deux autres personnages, tu pourras jouer un des deux autres personnages. Par contre, moi, je vais arrêter là pour ce soir, parce que j'ai un murder demain à bosser et j'aimerais bien me coucher tôt. Bah, y a pas de souci, mais bon, voilà, ce fut intense, mais bref. Donc vous êtes tombé sur l'événement aléatoire Lee Harley Oswald. Ah oui. Ah ouais, carrément. Compétent et perché dans un immeuble et fait un carton sur tous les passants en plein downtown. Cool. Première cicatrice. Par contre, en plus, c'est ce que je voulais faire à la base, même si, mais bon. Oui, mais bon je pense que je vais t'envoyer des fleurs. Eh, sincèrement, moi je te fais. T'es pas assez rapide, laisse-moi faire. Pff, aïe. En même temps, même quand t'es très rapide, la balle va toujours plus vite que toi. En même temps, c'est clair qu'on a. Enfin, sans en intervention, on l'aurait pas trouvé le mec, donc. Ou plus difficilement, donc. Ça aide, mais. Mais j'ai quand même eu du feeling, hein, sur le coup. Ouais, non, mais. Bon. Ok, doki, bah voilà. C'est chez le gars. Ah bah oui. Bah j'ai sorti mon arme quoi, quelque part, hein, je veux dire, voilà. Alors, si je comprends bien, Headshot l'a foutu une balle en plein cœur et Gob lui a foutu une balle entre les deux yeux quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, vu le score que t'as fait, je dirais que tu lui as défoncé la mâchoire, hein, mais. Ouais. Et ben on tire vachement moins bien quand il n'y a plus de mâchoire. C'est pas un. C'est sûr. Moi je lui ai mis 17 quand même. Parce que 6D6 et quand même sortir 4-1, fallait le faire. C'est pas mal, oui, mais ça ouais. C'est pas mal, c'est assez fort quand même. T'inquiète pas, je le fais à 40k ça. Ça c'est gob ça, hein. Tu peux pas tester. Et bon, on va m'appeler la passoire maintenant. Non, mais on va taper moi, la chèvre. Moi je dirais le lapin. Le lapin, ouais, ou le chèvre, ouais. On va l'appeler Goat en fait. Il y aura... Goat. Headshot, Gob et Goat. C'est ça. Bon bah, a priori, on vient de trouver le pseudo pour. Non, ouais, bah, bon. Du coup, j'arrête la partie. J'arrête l'enregistrement. Vas-y, tu peux arrêter l'enregistrement. Bon bah, les gens, ce fut intense mais bref, comme j'ai dit. Et puis moi aussi, je sens que je vais essayer de passer une bonne nuit parce que, on va dire qu'en ce moment, les journées sont dures. Au revoir.